qui est rentré là-dedans. Double kill. Double kill. Préparer une communication. Ah, préparer une communication. Mais pétard. Espèce de bouffon. Tu les amènes tous les deux pour qu'ils fassent un double kill. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est moi qui est à l'envers. Ou c'est la planète qui est à l'envers. Ok. Je vous explique du coup comment ça va se passer. Donc on est exactement 11 ou 10, bon bref, je vais appeler ça des imposteurs et des crewmates, d'accord. On est 12 joueurs. Et parmi ces 12 joueurs il y a 2 imposteurs. Ces imposteurs auront vu que c'est nos premières parties, on va faire des pouvoirs très simples pour commencer. Donc, attends, arrêtez de péter, j'entends rien sinon. Donc il y a un imposteur de base. Et un des deux imposteurs aura le pouvoir du métamorphe. Et du coup vous connaissez le métamorphe. C'est-à-dire que, imaginons Trixie, tu es imposteur et métamorphe. Si tu me tues, tu vas prendre mon apparence une fois que tu m'auras tué. Et du coup, les gens verront Chris à la place de Trixie, tu vois. Mais attends, mais du coup, il faut que je prenne ta voix. Genre, ok, je suis Chris, un truc comme ça, non? Tu peux. Oui, elle était très bien, je me suis dit ça. Les gars, mon seul talent, c'est que je sais imiter Ruby Nicara, c'est tout. Hein. J'ai cru que c'était une sunboard, donc bien sûr, t'as bien joué. Ensuite, il y a 3 autres rôles. Pour les crewmates, il y a l'ingénieur. C'est pas exactement la même chose qu'Among Us, où en gros, il peut temporairement signaler... Donc sur l'ingénieur, sa mini-carte peut temporairement signaler d'où les canards ont déclenché des sabotages. Donc par exemple, si Trixie, t'es imposteur et tu déclenches un sabotage dans une pièce, l'imposteur va savoir que t'as lancé un sabotage dans cette pièce-là. Donc s'il arrive et il te voit, il saura que c'est toi. Et il peut également se cacher dans des casiers, dans des armures, s'il y a des armures. Il peut se cacher à plusieurs endroits de la map et du coup attendre que quelqu'un tue devant lui et sortir de sa cachette après. Il y a le shérif, bref, le shérif vous connaissez, il peut tuer n'importe quel joueur. S'il tue un imposteur, bah tout se passe bien. Si par contre il tue un innocent, l'innocent mourra et le shérif aussi. Et il y a le croque-mort. Si vous êtes croque-mort et que vous trouvez un cadavre, avant de le signaler, vous pourrez savoir le rôle qu'il avait avant de mourir. Donc si par exemple, imaginons Trixie, t'es innocente et tu tombes sur mon cadavre et que j'étais shérif, et bah tu vas savoir que j'étais shérif avant de me report. Après, bon à toi de savoir si tu balances ou pas le rôle. Mais voilà, c'est un rôle moyen, dans le sens où pour l'instant j'ai pas mis 12 millions de rôles, mais quand il y aura plus de rôles, ça sera plus pratique. Voilà, au niveau des sabotages, vous verrez, vous avez plusieurs types de sabotages. Il y a le truc des lumières, il y a un espèce de O2 qui ressemble exactement au truc d'Among Us. Il y a le truc des portes, c'est un espèce de couteau. Normalement, si en haut à droite, vous avez un petit i à côté de votre engrenage, si vous cliquez, vous avez les informations sur les règles qu'on a mis. Et du coup, vous pouvez regarder un peu comment ça va se passer. Bref, j'ai fait le tour. Pour les innocents, on gagne aux tâches. Donc, on a des tâches sur la map. Si vous appuyez sur Tab, vous pouvez agrandir votre map. Il y a plusieurs tâches sur la map. Et les imposteurs ont des fausses tâches, mais vous pouvez réellement les faire. C'est-à-dire que c'est pas comme Among Us où vous fakez une tâche. Là vous pouvez vraiment la faire au lieu de la fake. Et du coup nous on saura jamais si vous êtes imposteur ou pas. Ça permet, c'est plus facile d'ailleurs pour les imposteurs du coup de fake, parce que du coup il n'y a pas vraiment de fake tâches. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. De toute façon on va faire une première game pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Du coup le chat de proxy est de base dans le jeu. Et si, très important, si vous mourrez, si vous restez en fantôme basique, vous pouvez parler entre vous les morts. Si par contre vous appuyez sur l'œil en bas à droite, ça veut dire que vous allez spect un joueur. Et là, dans ce cas-là, vous entendrez plus les morts, mais uniquement les joueurs. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. De toute façon, vous allez découvrir, on va faire plusieurs parties, bon, vous allez découvrir. Comment ? Parfait, excusez-moi. Ah bah merci alors, bah parfait alors. Bah écoutez, quand Emma se mettra prête et quand Dorlia se mettra prête, et bah on peut y aller. C'est où qu'on se met prêt? J'imagine en bas, Emma. Je suis prêt. Vous êtes prêt? Je vais devenir fou avec elle un jour. Hein. C'est parti. Merde. Ok. Du coup le chat c'est en chat de proxy. Oui c'est ça. Ouais, et vous pouvez vous muter. Bon appétit. Oh le repas. Oh, repas. Je connais pas la map, pardon, je découvre avec vous. Ah regardez, ici c'est la cloche.
C'est pour faire l'alerte quand vous voulez buzzer, par exemple. C'est l'équivalent du buzz. Ah, ok. Okay. Voilà. Cool. Et la map est en haut à droite. Si vous cliquez sur la map, elle s'agrandit. Sinon, c'est sur tab. Ah, c'est ok. Voilà. Bon courage. Bah, let's go, hein. Eh bah, let's go, mon gars. J'ai une petite tâche, là. Des petits violons. Je suis déjà emmerdé, moi. C'est quoi, là, la tâche? Qu'est-ce que c'est que cette tâche? J'ai pas compris cette tâche. Ah, j'ai compris cette tâche. Hop là, let's go. Alors n'hésitez pas le chat à me dire si le son est bon, si leur son est bon, si c'est pas trop faible, etc. Et voilà. Ah putain, attendez, faut que je change ma catégorie. Attendez, je remets. Eh, on m'entend dans le jeu ? Ouais, je t'entends. Oui, on t'entend, ouais. Ah, c'est okay. Bon, parfait. Oh, y a le relou, là. On pourrit, là, ou pas ? Salut, Chrysos. Salut, salut. Trixie. T'as dit quoi, Trixie ? Est-ce que j'ai un micro pourri, là, ou pas ? Non, c'est très bien. Ok. Parce que désolé, hein, tout à l'heure, je m'entendais pas. Okay, non, merci. T'inquiète, hein. T'as vraiment une voix sublime. Allez, hop. Ça, c'est au cas où. Eh ben... Alors, attendez, je vais vous montrer. Regardez, je suis ingénieur. Et du coup, je peux me cacher. Salut. Quoi Laisse-moi. Là, il est là. Attends, je vais tester le cut, Chris. Non, pas maintenant. Chris, Chris, touché deux mots. Quoi? Pourquoi on doit encore faire le ménage dans ta maison? J'en ai marre. On doit encore faire le ménage dans ton putain de manoir. En plus, c'est les pires missions, ça. Tu me rends fou. Hein. Tu vas nettoyer ton propre manoir tout seul. On bah, est pas tes bonus. Tu nous payes même pas en plus. Désolé. Eh, on est en grève. Allez, bim. Ouais, allez, hop là, la grève. Je vais aller mettre un gilet jaune, un gilet noir plutôt après. Ouais. Je peux. Ah non, je peux pas là. Ah, dans d'autres maps, on peut se cacher dans. Oh! Oh! Je pas si ouais, moi aussi, j'ai trop peur! Ah, ça vient oh mon dieu! Non, wow! Wow! Bon! Trop bon. Alors! Mex Boob! Quoi? Bah, c'est toi qui as l'alerte! Ah oui, pardon, bah, il est malade ce gars là! Mais c'est quoi cette réaction, mec? Il était au niveau de la cour! C'est ouf! De la cour! Il était derrière les buissons! Oui, bah, oui en fait, alors en fait, attends, je passe. Ah, c'est là quand tu l'as tué? Je vais expliquer ce qui s'est passé. Oui. En gros, je passais devant le buisson, il y avait Mex, mais il y avait Lapinou, je crois, avec nous, non? C'est qui était avec nous? Moi, Bichard. Ok. Donc, j'étais avec Bichard et Mex, on passe devant un buisson et je m'arrête et je leur dis, mais c'est quoi ce truc? Il y avait un gros truc rouge qui dépassait. Et du coup, on s'est regardés tous les trois comme des cons. Et puis au final, Mex a déclaré un corps, on a compris que c'était un cadavre. Mais le corps, il est pas du tout rouge? Putain, mais ça va super vite là! Ah bah si, moi je vois rouge! Je saute, skip. Moi je saute, ouais, j'ai skippé! Je saute, mais je pense pas que ce soit un mec sur moi les je saute d'un que... pont! Non! J'adore les traductions en jeu en tout cas! Elle est malade ça là! Bah je saute aussi, j'en ai aucune idée! Ah bah comment tu sautes? Un saut collectif! Quoi? Oh là 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 là! Y'a deux imposteurs ça? Petite balle! Oui, deux imposteurs! Oui! Et du coup, j'augmenterai le temps de parole! Après! Ouais parce que là tu nous dis de la fermer en fait, c'est cool. Excusez-moi, c'est cool les soirées avec Chris en tout cas. Excusez-moi. Bon j'ai la tâche de mon piano. Bon ça va très vite mais là c'est le début hein. Il mange complètement des canard. Merde j'ai perdu la quête. Voilà. Wow je joue super mais bien du piano. On doit tailler les buissons. Mais comment je taille? Du coup là c'est un gros bordel mais après ça sera bien d'accord. Là, c'est la première, c'est forcément un gros bordel. Hein. On va essayer de le pouvoir d'ingénieur, là. Il est forcément utilisable quelque part. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. T'es bizarre, mon gars. Moi ? Ouais, t'es bizarre. Salut, mec. Lui aussi, il est bizarre. C'est pas toi qui est bizarre avec tes lunettes de soleil, là. Excuse-moi, hein ? Ibs, t'es bizarre. Mais grave, tu joues au poker ou quoi ? Oh, j'ai cru qu'il m'avait tué. Quelqu'un d'autre à la place, un S. Alors là, c'est dur. Arrête, ils vont me botter. Oh non, Léa. Bah, c'est pas de ma faute si c'est toi. Je crois que c'est avec Chrysos.
Attendez, juste un truc, je ne sais pas qui a réservé ce Airbnb pour nos vacances, mais c'est un manoir, le bordel. Il est dégueulasse. Je passe ma vie nettoyée, je nettoie. Bah, je veux dire, c'est trop facile de faire un meurtre, là. Mais tu vois, c'est le manoir de Chris, il nous a fait venir. C'est le manoir de Chris, il veut qu'on nettoie, en fait. Vous avez tué Léa. Pour moi, celui qui a réservé cet Airbnb, c'est forcément le tueur, je vous dis. Bah, c'est Chris. C'est ce qu'on dit. Trixie, t'es bizarre. Le pauvre, arrêtez. Pourquoi? Je suis bizarre. Tu veux reporter la faute sur le propriétaire. Alors, après, j'ai fait une discussion avec lui. J'ai fait un concert tout le long, donc. Moi, j'ai fait du piano. Ils étaient en train de se draguer, je les ai vus. J'étais avec Mex, moi. Je ne veux rien savoir de ce mort. Oui, Mex, c'est. Oui, c'est ça. C'est grand que c'est bientôt la fin du vote. Donc, c'est très simple. C'est qui dans les montagnes, là? Wow. C'est la Pinou. Pourquoi c'est moi? La Pinou, il a chaud, il a mis un ventilateur. Je me promène, tout se passe bien, je saute. On vote quelqu'un? On l'entend? On l'entend vraiment? Je saute aussi, moi. Ouais, on l'entend. Non, ils entendent le mien, mais ils ont dit que c'était toi. Moi j'ai vu aucun cadavre, je ne suis pas alerté, je saute. Ah, toi aussi. Ah, c'est moi qui a pas voté. Pardon, excusez-moi, je fais des réglages son, c'est t'inquiète difficile. T'inquiète pas. Wow. Attention, vous êtes tous. Wesh. Wow. Vous êtes pas du tout en train de chier. C'est Bourlingue qui a voté contre moi, c'est sûr. Deux votes pour moi quand même, hein, bande de connards. Mais tu leur sens, j'écoute, tu sautais du coup. Tu vois Bourlingue. Salut Bichard. Il y avait pas... Je pensais qu'il y avait un trou là. Ouais, moi aussi. Tu sais que je serai tout le temps avec toi et je te tuerai jamais. Enfin, je te tuerai dans le sens où je voterai pas pour toi. Oh, merci mon chat. Toi, tu me tuerais pas quand même, espèce de petite salope. Franchement, tu me connais jamais. En plus, on a déjà fait des Among Us et tout. Bon, tu viens ou tu viens pas? Ah bah oui, si tu veux, je viens. Okay. Il est malade. Je peux faire mes tâches, je parle. C'est là. Ouais, mais moi j'ai pas de tâches, moi, ici. Il est fou ce type là. C'est quoi la matasque? Ah, c'est ça, ok. Alors, on fait le ménage? Ok. Oh, elle m'entend pas. Oh, non, mais c'est fou, on est ça, quand même. Ben oui, Christ. Ah, d'accord. Je sais pas s'ils m'entendent. Oh. Y'a un feu. Ah non. Et c'était quoi cette fausse alerte? Oh putain, je me suis bien fait baiser. Une partie de moi là! Oh, quelqu'un est mort dans la panique! Putain, quelqu'un, tu es mon seul fan! Mais c'était mon duo! Oh, Bichard, pourquoi tu ris? Excusez-moi! Oh non, c'était trop marrant! Y'a tout le monde qui disait le feu dès que le feu s'est enlevé! Y'a quelqu'un qui a dit: y'a quelqu'un qui est mort! C'était trop marrant! Y'a personne qui arrive pas parce que personne savait comment faire! Oh les losers! Oh le jeu trop de là! Pardon, mais bon. Qui c'est qui a dit c'était mon duo là? C'est Trixie? C'est Dorlia! Ah c'est Dorlia! Je suis en deuil là! Ok, comment ça? Ok, allez, on va voter, c'est moi je vote les gars! Oui, j'y vais là! Moi je saute! Ça vote là, vous votez? Moi je saute! Moi je saute! Honnêtement, j'ai rien vu! Moi je saute aussi! Je sais pas qui! Bon, moi je saute! Mec, je t'adore, mais depuis le début, je saute aussi! Ça va! Ah, je crois que t'allais vous voter. What? Oh là là! Attends, y'a plus rien là. What? Mais... Ah, elle a eu chaud, hein, un peu de près. Vous savez quoi coûte les personnes en deuil? Ah, je suis mort. Vous allez voir après, hein. C'est bon, besoin de ton pote. Attention, les menaces, merci, là, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça ouais, tu me menaces pas, par contre. Tu penses quoi de mon look, Emma? Fais voir, t'es où? Bah, à côté. Oh, t'es BG, wesh, quoi? C'est vrai? T'as vu ça? Eh ouais, c'est moi. Eh bah ouais, c'est moi. Mais pardon. Pourquoi j'ai pas eu ça, moi? Ouais. Toi, t'as payé plus cher, Emma? Non, elle a payé moins cher. J'ai payé 5 euros, lui, elle a payé 5 balles. Ah oui, ça, j'avoue. Et mais Chris, depuis quand tu débats plus sur les meurtres? Bah, j'étais même pas là, donc je peux... Excuse-moi, frère, oh, là, je sais ce qui est en train de se passer, là. Tu m'accuses? Il m'accuse? Je sens pas Chris. Tu m'as... Mais je suis là, hein, j'entends en plus. Ah bah... Ah oui, t'es là. Il se fait de ma gueule, lui. Mais je rêve. Je sens pas Chris, hein, tu feras attention. Allez hop, ça m'a saoulé.
faut que tout soit sur le jeu. Ah, mais je galère en tout cas. Hein ? Salut ! Ah, attendez, attendez, j'ai peut-être un truc. Non ? Ah si, ah. j'ai un truc. C'est bon ! Ah, yeah, ah, yeah, bien, bien joué. J'ai rien compris, mais ça marche bien. Bien joué les gars. Je savais pas que c'était les lumières, je pensais que c'était une tâche. Bon, moi j'ai pas fait mes tâches du coup, en parlant de ça. On va faire nos tâches, un petit peu, ça serait bien. Ça c'est quoi là ? Journal ? Ok, bon ça c'est de la mission. Hein. Bourlingue il a trop de flow, le skin de Bourlingue c'est tellement sa vraie tête. Ah ouais, vous trouvez ? Pardon. Putain, j'aimerais trop prendre quelqu'un en flagrant délire. Mais y'a jamais personne qui ira dehors. Qui irait là ? Oh, j'avais une tâche là. Hop, hop. Allez, allez. À la poubelle. Non, reviens par là. Oh ! Les gars, y'a quelqu'un qui a tué. Non, c'est Dorlia devant les chiottes. Ma fille aussi est mort. Je croyais qu'il était en train de poser sa pêche et quelqu'un il est de la chouette sous les chiottes. Putain, je loupe tout le fun. J'ai l'impression qu'il se passe des trucs. Alors je suis pas là. Non Chris c'est non. Trop par contre tu débats plus, t'es plus enquêteur du tout là. Mais non, désolé moi, frère. Moi Chris j'ai des suspicions sur toi moi. Mais arrêtez. Oh non Chris. Mais non, j'ai tué personne. Il l'a pas fait. Ouais. Ouais bah peut-être que ouais, mec c'est aussi super, j'étais hein. Dehors, j'étais ouais, en train de passer le balai ouais, sur les... Eh hey, pourquoi vous votez aussi vite. C'est une dinguerie ça. C'est bon, on y va maintenant. Y'a même pas de on saute. Oh non. Oh non. Bah bien sûr que oh si, non. Faites pas les étonner. Bande d'acteurs là. Attends, vous foutez de ma gueule. Oh non, alors ça on s'y attendait pas à celle-là. Bande de connards. Eh, hey, tu parles mal hein. Aïe aïe aïe, c'est cool. Putain, j'ai trop le seum. J'ai une question, Chris. Est-ce que tu m'as voté tout à l'heure? Ah oui, c'était moi. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es méchant comme ça, Triton? Pourquoi pas? Emma, c'est le shérif, mais elle attend quoi? Je rêve. Mais dis-toi, je rigolais avec Bichard parce qu'on disait les pets c'est marrant, il me tue devant les chiens. C'est trop... C'est lui. Oh, fils de pute. Attends, comme... Attends. Oh, regardez-le, ce chien. Je dois déboucher les chiens, frère. Comment je coupe cette merde? Non, sérieusement, premier degré, je fais comment? On débouche les chiottes. Mais c'est pas vrai! Wow, let's go! Richard, je te déteste! J'étais devant les toilettes tranquillement et tu me tues comme ça! Hé, hey, le shérif! On était amis. T'étais en grève! En fait, je savais pas trop comment ça fonctionnait! Mais je rêve! T'as pas écouté les règles au début en fait! Je suis désolé, Bourlingue. Non, Emma! Qui ça? Attends, c'est rien, c'est ok. J'ai mangé un nugget. Je suis désolé, je t'ai menti depuis. C'est trop grave. Bichard, tu m'as menti. Mais je t'ai pas tué parce que tu m'as fait confiance. Putain, ma vie est trop nulle. Et si, je suis désolé. Mais... Bichard, plus jamais je parle de paix avec toi. Mais en plus, je me doutais que t'étais un tueur. Pourquoi je t'ai pas voté pour le tigre. Moi, personne s'est douté que j'étais innocent. Il y a un mec qui l'a dit dès que Bichard rigole, il y a une 20 secondes de discussion face. Ah ouais, putain, attends, faut que je vois si je peux augmenter. Ah oui, c'est ça. Oh là là, c'était une bonne game, hein! C'était une bonne première game! Ouais, c'était une bonne game! Ouais, ça doit être ça, après, ouais! Le problème, c'est qu'on comprend rien au jeu, donc c'est simple! Ouais, on a tous bien rigolé! Alors, ouais. Non, en vrai, si je peux vous donner des trucs, on bah, du coup, le feu, c'est un peu ce que ouais. Les imposteurs, enfin, c'est un okay. Peu ce qu'on utilise, quoi! Genre, oui, c'est l'O2, quoi! La lumière, c'est mais nous, qu'est-ce que c'était ça. Drôle, par contre! Mais genre, je pouvais me cacher dans des placards, c'était trop bien! Vous pouvez vous mettre prêt? J'ai mais j'ai jamais fait encore! Attends, finis mon nugget! Tu pouvais te cacher dans des placards? Mais oui! Il y a un moment, genre juste avant que Dorlia. Bourlingue, tu passes à côté de moi juste avant que Dorlia soit report, je suis dans un placard. Non, mais il faut mais que j'enlève ces bruits de paix, c'est horrible. Trop stylé ça. C'est dans option, Emma. Ah, c'est moi qu'on attend. Ah, oui. Hop là, plus de non, à peine, Dorlia, à peine. T'as enlevé quoi, Emma? Comme pas, d'habitude. Pas, Dorlia. J'ai mis paix silencieux, ok. Mortel. Vous pouvez. Ah, c'est bon, parfait. Oh. En fait, on est des oies et d'accord. C'est des canards qu'on aime pas. Mais Emma, je te l'expliquais hier, tu te fous de ma gueule. Non, je pensais qu'on était des canards et que c'était des oies. J'ai fait ta gueule. Bon, écoute-moi, espèce de gros chien, toi, tu m'as menti une fois, tu me mentiras pas deux fois. Qui, moi? Bah oui, toi. C'est quoi? Mais j'ai fait quoi? Oh, j'ai cru que tu m'avais tué. Oh,
prof. Oui, à table. Mais à table. À table. À table. Ah non, mais je crois que c'était une quête. Oui, oui. C'était sûr. Elle attendait le cool. Donc, quand tout à l'heure je vous dis la cloche. Que le repas soit après moi. Mais Trixie, quand tout à l'heure je dis la cloche, c'est pour buzzer. Tu crois que c'est pour faire quoi d'autre? Bah j'en sais rien, mais j'en ai ras le cul. Déjà je suis un esclave, je fais toutes les tasques de la maison, j'aurais me servir la table, moi j'en ai marre, ok. C'est dingue, personne m'écoute dans cette équipe. Mais bien sûr que si, on t'écoute juste. En plus on peut pas voter, il a rajouté du cooldown. Bah ouais, forcément. Putain de merde. Pardon. Déjà que. Bon, on va tous sauter, hein, n'est-ce pas? Non mais alors par contre, ça, on va tous sauter quelqu'un, ça dépend. T'as dit quoi? Oui, Emma. Je trouve que le jeu est génial. Ah bah tant mieux. Moi aussi j'aime trop. C'est vrai. Voilà, je voulais vous le dire. Je passe un bon moment, ça m'amuse. Bah ça me fait plaisir. Ouais, vu qu'il c'est vrai. Sur ma copine, moi je vote contre Chris, voilà. Oh, bah dis donc, ouais. Il faut bah, c'est bien m'envoyer ça. Suceur. T'as bien sauté, Léa. Ah merde, j'ai fait bien. Comment ça peut sauter, Léa? Léa. 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 Pour sauter, Léa. Ah. Oh. Oh, what? Il y a des rancuniers là. Le repas il était froid, les gars, ou... Ouais, attends, quoi, on a voté pour moi? Non, non. Il y en a 3 qui ont voté pour toi, Trixie. Bah, faut skip. Bah, je vous emmerde. Bien dit ça. Bien envoyé ça. Ça marche mieux comme ça, c'est plus rapide. Eh oui. Ah, tu utilisais la souris, toi, espèce de grosse feignasse. Eh, mais t'as un problème contre moi? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai tort? Peut-être. Quelque chose me dit que j'ai bien raison. Est-ce que tu veux faire comme Emmanuel Macron? Oh, taille le buisson, vas-y. Ratisser les feuilles. Ratisser les feuilles. Allez, petit coup de piano là. Papa la papa papa papa. Merde! Léa, tu m'entends? Léa, si tu parles depuis tout à l'heure, on t'entend pas, hein, si jamais. Hein. Je voulais te le dire parce que c'est important que tu le saches. Après, si tu peux pas parler, dans ce cas-là, je savais pas. Après, c'est chiant pour ce genre de jeu si tu parles pas, tu vois. Enfin, moi, c'est pour toi que je dis ça. Hein. Elle a disparu! J'ai un problème de son, je reviens. Je suis mort. Alors. Et je disais. Ah, le manoir de monsieur est tout propre. Je merci. Merci beaucoup. Et honnêtement, Dorlia, tu me. J'ai jamais entendu Dorlia rire comme ça. Ça va et toi? Quoi? Mais j'ai jamais entendu Dorlia rire comme ça, même à mes blagues. Quoi? C'est normal, t'es pas drôle. Tu rigoles, je t'apprécie, mec. Bichard, tu m'as menti tout à l'heure. Je vais le niquer. Il m'a menti tout à l'heure. Oh, il y a de la pêche! Hein? Que dehors, une maison ensanglantée. Chris! Ah ouais, mais c'est une erreur judiciaire. Un quiproquo. Judiciaire, Chris? Je pêche. Dans la loi, salaud. Je pêche. Bon, attrape-le ton poisson, là, par contre. C'est quoi cette tâche là? Personne va jamais la finir! Bah, nique ta mère, nique ta mère! Oh bah Dieu! C'est un crush qui s'est passé! Non, par contre, mais Léa, elle a pris trop de cheaté. Oui, elle est partie, Léa, elle avait un problème de son. Ok, je peux innocenter Dorlia et je peux innocenter Emma sur ce kill. Emma était en train d'enlever les morceaux de poulet sur le canapé, je l'ai vu. Tu peux innocenter Chris aussi ou c'est trop demandé? Moi, j'innocente Mex!
Moi, je paye une insulte. Et Doria, Atelier en buisson juste avant, j'ai vu. Oui. Et puis alors, je rigolais coup, bien, donc c'était cool. Moi, j'ai fait un petit tour dans le jardin, j'ai vu Chris en train de pêcher, tout va très bien, tu vois. D'ailleurs, cette mission, elle est super dure, vous la finirez jamais, hein. Et Fleck était à côté du cadavre. On s'est dit bonjour. Il dit bah, il y a un cadavre. Dit, oh bah. La courtoisie avant tout. Tiens. J'étais vraiment focus en train de faire mes tâches. Vraiment, je faisais ta tâche, c'est tu dois appuyer sur espace, non, mec? Non, je vous jure que. Ne jure pas. Il y a un monde qui est quoi, espace? T'as pas réussi ou. Jurer sur les plumes, ça marche pas. Bon bah on vote Fleck hein. Raffermir le coussin. J'étais en train de raffermir le coussin. Ouais, ils ont voté super vite. Votez qui là? Ça vote vite. Je vote pas toi, je vote personne, tu vois. Je peux pas. Ça vote vite. Ouais, j'ai sauté. Là c'est honteux si vous m'éliminez. Après Emma et Trixie, ils ont sauté sur le moment quoi. Voté pour moi. Oh putain. Oh waouh. Oh la chance. Ah, est-ce que ça serait pas Emma Trixie du coup vu qu'ils ont tous les deux voté très vite sur lui? Bah non, je vous ai dit, Emma faisait ses tasks. Bah justement, comme par hasard, tu protèges ta pote. Parce que moi j'esquive. Eh, tu me parles meilleur tout de suite, sinon je te tue, Emma toi. Emma énervé. Oh, c'est des menaces? Attention, j'ai une épée écrite. Ouais, c'est des menaces, ouais. Menace. Bien sûr. Ah ouais, t'es violent. Bon délire. On va tenter. Je sais pas s'ils m'entendent quand je suis à l'intérieur, en fait. Donc je vais éviter de parler trop fort. Mais... on va tenter d'en baiser un ou deux comme ça. Il y a forcément un moment, ils vont passer, ils vont dire un truc un peu louche. Et là, bam! On les baise. Il y a encore le feu. Là. Ah, mais ça veut dire qu'ils vont venir par là. Chut. J'ai voulu avoir ça. Peut-être un jour. Je suis où, là? Je pense. Sachez que pendant ma partie de test, j'étais caché dans une armoire et Dorlia a tué juste devant mes yeux. Et du coup, j'avais crié. Mais je suis pas sûr qu'on va revivre la même chose. Depuis tout à l'heure, je lis. Oh non. Oh, let's go. Ouais, non, Dorlia, t'es trop nul. Mais si, tu faisais quoi? Dorlia, c'était Dorlia. Désolé, Richard, je me suis vengé. Je me suis vengé. Attends, Dorlia, comment tu peux... CG Crispette, CG Crispette. Merci beaucoup, Elibs. Merci beaucoup pour tes 4 mois de sub. Merci beaucoup. Il t'entend pas dedans. Ah ouais? Ah, oh, trop bien. Bah parce qu'on avait joué la semaine dernière et je m'en rappelais, sinon. Ah, okay. Mais je vous jure, j'étais vraiment en fou rire, du coup j'ai perdu mes moyens, je savais plus quoi faire. On a gagné parce qu'on a fait assez de tâches, c'est ça? Ouais, c'est ça. En attendant, Nessim, tu faisais quoi, en fait? Mais je t'ai dit qu'à chaque fois que j'allais tuer quelqu'un, il y avait deux mecs qui arrivaient. Oh, après, bah t'es nul, écoute. Oh, bah, génial. Et comment qui entend Dorlia hyper fort? Non, mais tu peux la baisser, hein. Il y a des sons plus forts que les autres, ouais. je vais arrêter de parler, alors. Non, mais je t'ai baissé. Juste que ton son, il est très très fort comparé aux autres, genre. Moi, je t'ai baissé, t'inquiète. On fait la... Comment je baisse le sien? C'est dans engrenage, joueur. Ouais. Et là, t'as tout le monde. On peut baisser que un. On peut pas baisser que un joueur. On est obligé. Non, mais si tu peux, tu vas dans joueur, pas dans son. Tu vas dans joueur au pluriel. Et voilà. Ça, tu n'entendras plus la salle. Je sais pas si t'es sur le live, Leia. Est-ce que tu vas revenir? Je remets le lien au cas où. Voilà. Bon, vu qu'on a perdu, je vais invoquer mon pouvoir magique, vous m'excuserez. Oui, j'ai payé, T'es un canard. J'ai pas fait une game. Moi aussi, j'ai payé. Non, regardez mon kimono. Oh, incroyable, mec. Ah, merci. Mais t'es vous prêt, Dorlia? T'es vous prêt? Elle est où, Dorlia? Bien, regarde, celui-là, regarde. Regarde comme il est beau. Je suis un canard détective. Ouais, il est stylé. Ouais, il est stylé, ouais. Ah là, inspecteur. Mec, tu serais pas inspecteur Magret? T'as vu, Chris, comme il est beau, mon kimono? Ouais, j'ai vu, il est super. Je sais. Ouais, voilà. C'est super. Eh mec, c'est une blague. Dorlia, tu peux te mettre prêt avant que je te mette une balayette dans la vraie vie? Je suis pas la dernière. Dans la vraie vie, carrément. Ouais, je vais te retrouver. Et Dorlia, mettez-vous prêt. Bourlinguer, Dorlia, mettez-vous prêt. Non, t'inquiète, Leia, pardon. C'est bon, t'inquiète. Je prépare un autre micro. Excuse-nous, la meuf et la technique, carrément.
Putain! Mais même dans ce jeu, je vais être crewmate toute ma vie? Et je joue du piano debout! Waouh! Oh bah yo, dis donc, on cache la joie même! Oh non, il va encore me tuer là, ça y est, c'est bon! Encore te tuer? J'ai jamais été imposteur encore! Ah, t'en rêves, hein, t'en rêves! Hein. Bien sûr que j'en rêve, bien sûr! Et là, tu serais mort, mon gars, direct! Et je serais monté à l'étage! Ouais, attends, voilà. Bah vas-y! Ah, tu sais que tu peux pas monter à l'étage, ça fait le tour! J'ai tué quelqu'un ici tout à l'heure et. Ouais, tu fais le tour, mais tu montes quand même! Ouais, mais du coup, tu reviens sur le lieu du crime. Ah, oh, putain, si seulement je pouvais te tuer là. Mais s'il te plaît, me tue pas. Non, mais je suis pas imposteur, mec. Ah, ok. Moi si, hein. Non, je te le dirai quand même. Oh, t'as entendu ? Ouais, mais y'a un truc à péter là. Attends. Je sais que la map est évolutif et du coup, par exemple, tu peux casser des murs et tout de temps en temps. Mais non. Et en gros, ça peut t'ouvrir d'autres portes. C'est plus marrant qu'un Among Us, même si la map elle est énorme. Ouais, oh, y'a un corps Attends, quelqu'un a dû casser une fenêtre pour s'échapper. Attends, est-ce que la fenêtre est cassée quelque part? Il est parti. Oui, mais par où? Mais regarde, il est fermé, regarde, il a fermé la porte là. Oh putain. On peut pas ouvrir. Bon bah je déclare hein. Ah si on peut. Oui mais ça nous fait une belle jambe. Pas courir après un fantôme. Ah vous avez raison mec, je vais augmenter. Chris? Oui. Pas Fleck ni Doria hein, si jamais parce que bon voilà quoi. Ouais. Vas-y. Non pas... Attends, ne dis rien. Je dis rien. Donc, attendez, on sache où ils sont les gens. Bah devant c'est le lustre. Où bah devant le lustre. On est devant le lustre. On est quatre devant le lustre. C'est quoi le lustre? Où le lustre? Ouais, on est devant le lustre. Je sais pas, il y a un lustre qui est tombé avec du sang par terre. Ah, c'est ça qui a fait du bruit? Oh, mais c'est attends. Ouais, il y a quelqu'un qui est mort sous le lustre. Ah, c'est ça. Ah ouais? Ah, c'est pour ça qu'il y a le lustre qui a fait du bruit. Mais lui, il est trop bien vu dans l'air. Ah parce qu'il y a Lapinou. Oui. Oui, c'est Lapinou qui est mort bibliothèque. Ah mais le lustre il a tué personne. Bah y'a bah, pas de cadavre, y'a du sang mais est-ce que c'est la situation? Mais non, c'est du sang, on sait pas qui c'est en dessous. Le lustre il a tué Hibou. Bah, ça va être Ibs parce que Lapinou il est bibliothèque. Mais donc ça veut dire que le lustre a tué Hibou du coup. C'est trop le monde, Hibou il est même pas mort par quelqu'un. Attendez, qui était pas avec nous sous le lustre, il y avait qui? T'as un coup de malchance. Moi j'étais avec Chris mais moi c'est pas lui. Il y avait Emma, il y avait Bourlinguer, il y avait qui? Il y avait moi. Ok, donc il n'y avait pas Chris. Ou au niveau du lustre? Il n'y avait pas Bichard? Ouais, il y avait Bichard aussi. Non, moi je suis au niveau du lustre. Ah oui, si, c'est vrai. Ouais, bah en vrai, on n'a pas d'infos. Hein. Non, on n'a pas d'infos, mais c'est sûr et certain que c'est pas Mex. Moi je saute. Ouais, c'est Chris. Merci. Non, c'est pas Chris. Ah bon? On va faire masterclass, mon frérot. Putain, mec, on aurait pu gérer de fou. C'est nul ça. C'est trop nul. Moi je pense qu'ils font genre, ils sont pas imposteurs, mais ils sont imposteurs. Non, je suis pas imposteur. Ils sont imposteurs en étant imposteur. Je suis pas canard. L'imposteur imposté. Dis-moi, le Bourlinguer, ça va de tuer tes collègues comme ça sans foi ni loi? Enfin, sans foi ni loi. Sans preuve, en fait, je crois, mon pote. Pas sans preuve, tu sais qui je suis? C'est toi. Mais comment on fait ce putain de gramophone? Le médium. Le mentaliste, plus précisément. Frère, c'est pas TF1 ici. Je suis le mentaliste et je sais que t'es un vilain petit canard. Attends, moi je mets le petit canard? Ouais, t'as un vilain petit canard. Oh! C'était le shérif! Si il nous voit devant les corps, ils vont trouver ça bizarre. Feuillo! Ok, vas-y! Salut, mec! Ça va, mec? Comment ça va? Bah, ça va et toi? J'enquête, mec. Faites vos tâches? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, y'a un gramophone que j'arrive pas à régler. Mais c'est trop chiant et en plus c'est mal expliqué les tâches. Enfin, c'est pas bien expliqué. En mode. Moi j'ai du nettoyage là. Vas-y. Tu tombes, je tombe avec toi, mais inversement aussi, fais gaffe. C'est une menace. Oh non, il y a un moto qui arrive. Hop là. Oh putain. Mais non. Mais dis pas ta raison. Let's go.
Oh waouh, c'est la caméra. Attends, quoi? Putain, il a le rire d'un méchant, ce fils de pute, de toute façon. Mais en fait, c'est passé quoi? Mais en fait, j'ai mis clic sur Bourlingue, j'étais shérif et je l'ai tué sans faire exprès, je suis bordel. C'était une doublette de Chris et quelqu'un d'autre et tout. Et Dorian, c'est passé quoi? Dorian, c'était sûr. Comment ça, il s'est passé quoi? J'ai essayé de te tuer. Ah, pourquoi t'es forte? Dorian, parce que j'ai essayé de te tuer parce que j'étais croque-mort, mais en fait, tu m'as tué. Ah non, mais croque-mort, putain, t'as vraiment pas écouté les règles. Croque-mort, c'est pas ça. Du corps que tu découvres. Mais c'est de la merde, forcément s'il est mort, c'est qu'il est pas un canard. Mais ça te permet de savoir s'il est autre chose, genre si c'est un shérif, si c'est quoi que ce soit d'autre. Là, il y a pas beaucoup de rôles, donc oui, c'est inutile un peu, mais on s'en fout, t'as pas écouté les règles quand même. C'est grave, hein. Si, j'ai écouté, j'ai tout compris. Mais du coup, on peut mourir de lustre. Moi, je suis mort du lustre. Comment? Ah bah oui, du coup, oui. C'est un piège. C'est un sabotage, du coup, et ils t'ont tué comme ça, je pense. Ah, c'est un sabotage. Je pense, je sais pas. C'est tombé au bon moment, en fait. Ah, c'est du hasard le sabotage. J'en sais rien. Je peux pas trop vous dire, à vrai dire. Mais je me dis que ouais, c'est un sabotage et ils attendent peut-être que tu passes en dessous et ils activent, je sais pas du tout. Dans les méthodes, je vous dirai quand je serai un poster. Aussi, allez sur le tapis là. Comment? Quel tapis? Bichard. Personne n'est mort du lustre. Le tapis c'est là où le lustre bah, si, était. Ibs. Ah mais pas ici, ok. Attends, mais Ibou, t'es vraiment mort du lustre? Mais oui. Mais je faisais ma tâche tranquille. Posé de la map. Moi je nettoyais mon tapis tranquillou et pouf, il y a un lustre qui me tombe sur la gueule. Mec, le timing est génial. J'ai bien l'opposé de la map. Ah donc c'est bien un sabotage. Genre, c'est j'ai pas fait exprès, je pensais que c'était un... Trop fort. Ah mais attends, mais t'as pas fait exprès de le tuer? Et non. Putain, mais c'est pas possible! J'ai vrillé. Ok, on y va, les copains. Les copains, n'allez surtout pas. Let's go. Emma, pourquoi tu m'écoutes jamais? Pourquoi, quand j'explique les règles du jeu, tu me mutes? Parce que ça dure 50 ans et ça fait fuir les gens. Mais je m'en fous de tes gens, tu me poses des questions après. Irrespectueuse. Ouais, c'est ça. C'est un malade, cela. Ça fait fuir les gens, elle a dit. Hein. La commu d'Emma, c'est vraiment des cassos. Je vous jure. Dès que ça parle anglais, dès que c'est un peu long, il fuit. Je vais péter un câble. Oh, incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ça sort du cœur. Non mais c'est vrai, c'est grave hein. C'est vraiment grave. J'ai jamais vu ça hein. C'est des assistés de merde. C'est des cons. Il faut aller vite, il faut pas que ça soit chiant, il faut ci, il faut ça. C'est bon frère, écoute des règles et ta gueule. Ça évite des questions cons dans le chat après en mode eh, mais comment on fait ça Emma, j'ai pas compris. Oh putain, oh, une petite bougie là. Avec son beau skin. Salut les gars, vous avez vu ma veste? Vas-y hein. Regarde ça. Oh les putes. On va y retourner. Ensuite, on va faire les études. Ah, je suis dégoûté. Nettoyer encore, toujours. Allez, je fais que ça là, la game là. Non mais on est des bonus pour Chris. Power Ranger. Enfin des coups. Oh, merde, je voulais bourlingue. Bon ça marche. Ça, attendez, ça on a jamais fait ça. Ça va Emma? Oh le bâtard. Ça va et toi? C'est le karma ça Emma. Elle s'est butée. J'en peux plus. Ça va Ibou? Oh. Oh, il allait la refaire. Tu viens de là. Quoi? J'ai eu peur. What the fuck? Ah ouais. Non, attendez. What? Attendez les Power Rangers, c'est Ibs qui venait de là et qui lui dit bonjour. Oh non. Oui. Bah il y a Ibs et moi. Je viens d'où? Ibs et moi. Mais non, mais pas moi. Et moi je mais alors, oui, je suis pas pour le coup moi. Qu'est-ce qu'il veut nous poser? Encore t'as parlé pour son plus quoi. Quoi? Oui. Là c'est des mecs qui traînent ensemble. Qu'est-ce qui se passe? C'était où? Mais attends, mais il y a beaucoup de. Alors sachez que si je peux vous permettre. Je pense, oui. Je pense, hein. Après voilà, ça ne tient qu'à moi, que Ness et Trixie sont 100% safe. Voilà, au vu du nombre oui, de morts, je pense aussi, hein. Au vu du nombre de morts, je pense que notre trio je est... Je même ajouter que Bichard aussi. Voilà. Ça me fait plaisir ce que tu dis, hein. Je suis pas peu fier. Donc maintenant, ça m'arrange pas des masses. La question est, laquelle de ces personnes va poucave l'autre?
Commissaire Magret, vous avez quelque chose à dire? Le boulingueur est imposteur. Ouais, c'est enfoiré. Je fais mes tâches. Je te crois, t'as dit ça, je te crois. Également. Moi, c'est Ibs, je vous le dis, c'est Ibs. C'est Ibs. Mais non, c'est pas moi, j'ai rangé les livres. J'ai rangé les livres. La chambre et les arbustes. C'est bien une tâche d'imposteur, ça, de ranger les livres. J'ai rangé un livre qui s'appelait Comment tuer des oies. Grillé. Je m'en doutais. Inspecteur Biche-Biche. Sur l'affaire. Mais là, mais ta gueule, inspecteur Biche-Biche. Ta gueule. Va vers un endroit meilleur. Mais inspecteur Biche-Biche, mais c'est un bouffon, inspecteur Biche-Biche. Là, je vais péter un plomb. C'est dingue, hein. Non, mais comment on peut être aussi bête? Ah, Chris, tu m'entends? C'est fou, ça. Ah, vous m'entendez, ok. Oui, quand t'appuies sur l'œil à droite, tu peux regarder des joueurs et là, on t'entendra plus les morts. Ok, d'accord. Et t'entendras les joueurs, par contre. Des couteaux, on utilisera de nos... Mais là, j'entends les deux, je crois. Ah oui. C'est juste que là, par exemple, tu vois, Ibs, il est pas à côté de nous, mais il nous entend quand même, du coup. Ouais. Ouais, le pauvre. Oh, inspecteur coin-coin. Inspecteur coin-coin. Mais c'est tâche ici, c'est un truc de fou. Hein. J'ai commencé à m'énerver, hein. Faites vos tâches. Hein. Mais... Encore une trahison quand même, ça fait beaucoup. C'est Ibs, je l'ai vu. Ça nous met trop bien. Rappelez-vous, hein. Ça nous met trop bien ce coup de folie. Ibou. Inspecteur Biche-Biche, t'es une merde. Bourlingue. Ouais. Okay, tu fais quelqu'un toi dans le tas là? Genre moi, j'ai rien touché, frère. Ah bah voilà, bah ils sont tous tués. Attendez, je reviens. Hein. On va regarder s'il y a des rôles cool à mettre pour les crewmates. Comme ça. Accomplissez ces tâches pour augmenter votre prime. Survivez pour empêcher votre tueur de vous voler vos gains. Le tueur peut vous tuer seulement si... Bon, ça, on s'en fout un peu. Gagnez en tant que dernier survivant. Vous pouvez avaler les joueurs en entier. Mais ils ne meurent pas tant qu'une rencontre n'a pas eu lieu. Ok. Ouais, mais non, je veux vraiment des trucs pour... Vous pouvez tuer un oiseau par partie. Un grand pouvoir implique des responsabilités. Ah, le médium, je crois que c'était bien. Vous pouvez connaître le nombre de fantômes. Votre corps se signalera automatiquement après une seconde si vous avez été tué ou avalé. Les canards vous voient comme un des leurs. Oh, incroyable! Une fois par tour, vous pouvez enquêter sur un joueur pour voir s'il a tué quelqu'un ce tour-ci. Ah, c'est trop bien! C'est trop bien, ok. Ok, mesdames et messieurs, j'ai rajouté des rôles. J'ai rajouté des rôles pour les crewmates, pour pas que ça soit un peu chiant. Du coup, je vous explique. Attends, ça, ce rôle, j'avais pas. Ouais. Faut juste appuyer sur le petit. Hein? Moi, je vous dis, c'est Bichard. Ah oui, non, celui-là, je l'enlève. Attendez. Vous pouvez avaler les. Non, celui-là, je l'enlève. Mais il ne meurt pas. Non, il est trop bien. Pas tout de suite, pas tout de suite. Chaque chose en son temps, mon bonhomme. Donc, okay. Il y a le rôle du médium. Le rôle du médium, c'est vous pouvez connaître le nombre de fantômes. Donc, par exemple, si quelqu'un vient de mourir, vous le saurez directement. Il y a le détective. Une fois par tour, vous pouvez enquêter sur un joueur pour voir s'il a tué quelqu'un ce coup-ci. Donc, c'est une espèce de voyante dans le loup-garou, par exemple. Oh, c'est trop fort. Il y a l'imitateur. Les canards vous voient comme un des leurs. Donc, si par exemple, vous êtes crewmate, vous pouvez devenir imposteur le temps d'un instant. Et du coup, ils vont savoir que... bah bref, je sais pas comment ça se passe, on verra en jeu. Oh, bah, je fais le mec qui explique, j'en sais rien. Donc, voilà. Bref, on verra. Et je rajouterai peut-être des petits rôles au fur et à mesure également. Je tiens à dire que j'ai tout énorme. Écouté cette fois. Ouais. Mais ça veut pas dire que je vais comprendre quand j'aurai mon rôle. T'inquiète, t'inquiète, ça va aller. Si t'as pas compris, c'est que Chris explique mal. Non, ouais, le... Oh non, ça va. C'est pas ça le problème. C'est parti. On y va ou on attend quoi? Oh bah dis donc, ouais. Eh bah putain, mais même en rajoutant des rôles, bah ça me fait une belle jambe, hein, à ce que je vois. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ok. Le bourlingueur. Ok. Tu peux me faire confiance sur tous les coups, mon pote. Oui, 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 c'est ça, oui. Tu m'en diras tant. T'as pas l'air convaincu. Si, je suis convaincu. De tout à l'heure? Non. Ah, Chris. Ouais. Chris, pourquoi on change pas de map?
Bah pour le temps qu'on s'assimile à celle-là, non, un peu. Mais on a assimilé, on a fait le ménage 30 fois dans toute la casa. Bah on peut changer, les tâches ne changeront pas dans les autres maps. Hein. Wow. Mais il y a du monde ici. On va encore nettoyer des choses qui t'appartiennent, c'est ça. Bah on joue encore un peu sur ça là et je changerai de map après. Ah bah de toute façon on va pas changer maintenant. Hein. Ménage, t'as choisi le personnage d'être désagréable ce soir. Ouais, exactement. Et bah bravo, ça marche. Le personnage de ce soir, c'est emmerdeur professionnel de Chris. Ça marche bien. Ça va avec mon petit regard de pétasse, regarde. Ouais, ça marche bien, ouais. Ça marche bien. Bah, c'est vrai, les gars. Un canard pour te tuer. Exemple pour la jeunesse. Mais c'est trop grave, Emma, ton problème. Mais quelle jeunesse ? Ils ont qu'à pas être jeunes ? Oh. Wow, elle est gris, aigrie. L'aile ouest, du coup. Oh, damn. Oui. Oh. Mais c'est les buts là. Mais pourquoi t'as fait ça? Il gagne du temps, il gagne du temps. Mec, Zoom, t'as vraiment fait ça? Non. On sait comment marche le rôle maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Zoom a fumé Fleck devant moi, pensant que j'étais avec lui. J'ai dit non, Fleck, jamais je te tirerai. Et je vois Mex le slasher comme ça. Oh, énorme. Oh, oh non. Loser. Par contre, Fleck s'amuse. Hein. Il meurt en début de tour à chaque fois. Hein. Ouais, il abuse, hein. Il fait pas d'effort. Oh, pauvre, il est jamais au bon endroit au bon moment. Ah, je suis mort. Je suis désolé, Mex, vous, comment j'ai rigolé. Ah, trop la honte. C'est quoi son rôle, Bichard? J'ai pas compris. Ah bah oui, mais attends, mais t'es con, toi. Bah ouais, c'est vrai, y'a un castle roll, quoi. Ouais, Bichard, c'est un peu truc là. Ah, c'est vrai qu'il est con. Y'a vraiment castle roll, quoi. Bah ouais, je peux le dire, non, je veux pas, non. Non, vas-y, t'as pas con. Désolé, mec, Zoom. Il ne dit plus rien. Ah, tu m'étonnes. Le gros, oh non, mais... Ah, c'est dur, hein. T'aurais pu être le troisième imposteur et rien dire. Dur. Mais du coup, ça... Il y en a qui a essayé de sauter, quand même. C'est son pote. Ah oui, c'est l'unanimité, quoi. Redis-le sans bégayer pour voir. L'unanimité. Oh les gars, je t'avais même pas vu. Il va être dans le collimateur. Oui, je suis revenu. Incroyable. Est-ce que tu m'entends bien ou pas? Ah ouais, je t'entends bien. Attends, bouge pas de là, je vais même te baisser un peu. Ok, parfait. Hop là, parfait. Et bah, tu es un peu... Hey. Et désolé de t'avoir mis un vent tout à l'heure. Non, t'inquiète, j'ai l'habitude. Hein. Super. T'es un imposteur? Non. Menteuse? Non. Oh là là. Oh, c'est bon, c'est elle. Hein. Oh, attendez, au feu. Au feu! C'est bon, je suis en train d'éteindre. Au feu! Oh, il y a un cadavre! Au feu! Oh mon dieu! Il y a un cadavre! Oh mon dieu! Quelqu'un est mort! C'est Nessim! Quelqu'un est mort du feu! C'est qui? C'est Nessim! C'est qui l'avait tué? Non, c'était Bichard! Il était rouge! Bichard est mort! Ah, c'est Nessim qui l'a tué, tu veux dire? Oui! Mais non, j'étais en train d'éteindre le feu! Nessim! Oh là là! Ibs, le pompier, était en train d'éteindre le feu! Moi, j'ai tout éteint avec mon gros extincteur! Je te promets, j'étais en train d'éteindre le feu! Quand la fenêtre s'est enlevée, il y avait Lapineau à côté du corps! Comment on éteint le feu d'ailleurs? Mais non! Non, je suis arrivé dans la salle, arrêtez! J'ai dit, oh, il y a un cadavre parce que j'avais l'animation pour report quelqu'un! Voilà. Et du coup, t'éteignais pas le feu? De toute façon, c'est simple, c'est soit Nessim, soit Lab, soit Ibs. Pourquoi on éteint le feu? Et ça peut pas être toi, t'étais dans la pièce. Pourquoi ça serait pas moi? Bah, let's go. Bah, vous étiez pas avec nous. Vu que ça peut pas être moi non plus, c'est forcément ouais, Nessim. C'est vrai ça. Bah, elle est con, elle. Ah, oui, d'accord. Et pourquoi ça serait pas moi, la méchante? Bah, ouais, pourquoi? Pourquoi ce serait pas vous trois, du coup? Moi, je pensais Nessim. D'accord, mais pourquoi? Qui était en premier dans la pièce? Moi, je suis arrivé en dernier. Moi je sais non, pas. Je suis arrivé, mais j'ai pas vu s'il y avait déjà quelqu'un du coup. Je suis arrivé, il y a Ibs qui disait au feu, au feu. Et le bourlingueur, il est mort, il est où? Ah non, il est là. Il est silencieux, comme il un... Se fait discret. Un accusé. Il veut pas nous parler, il nous déteste. Il l'a dit tout à l'heure. Bizarre. Visiblement. Ça m'étonne pas. Il a dit qu'il détestait tout le monde, mais particulièrement Lapineau. Hein? Ah, Lapineau, ok. Ouais. Il a voté Lapineau du coup. Bon, bah visiblement. Oh là, oh putain! Moi j'ai sauté, hein! Nessim, vous avez tous voté, bravo! Ah non, moi j'ai skip! Faudrait que je mette le rôle d'influenceur.
Et vous aviez raison. Let's go. Let's go. Oh là là, le génie encore. Éclaté en imposteur. Hein. Pas de répit pour les criminels. Attends. Comment ça, tu es éclaté en imposteur? J'attends qu'il. Bah tout à l'heure, tu faisais rien. Là, tu tues devant les gens. Enfin, mais ça va. Dorlia, j'ai tué dans le feu. Et bah raté mon gars, j'étais là et raté. Dommage. Mais comment tu peux savoir que les trois bons. Et où les copains? Ouais. Oh, comment ça va? Oui. J'ai le temps d'aller mettre un short parce que je vous jure il fait 30 degrés là. Ouais, vas-y, vas-y. Je me dépêche, j'arrive. Mais attends, je ne me mets pas prêt pour toi. Tu vois ça comment? Parce que nous on te voyait pas. Oh, j'arrive les gars, j'ai trop chaud. Oui, mais moi j'ai rien, juste j'apparais rouge pour vous, c'est tout. Oh, c'est trop chiant. Franchement, je te jure, c'est trop. En vrai, ouais, c'est vrai que c'est trop fort comme rôle. Parce que moi ça m'aurait eu direct. Ah, mais incroyable, après ça peut avoir le. Après. N'importe qui, hein. Quand tu l'es, imitateur, tu peux te faire avoir aussi, parce que du coup, s'il y a un imposteur qui te parle, tu sais pas quoi. Capté quoi. Bah, s'il te parle de on va tuer cela, on double kill et tout, forcément, bon. Oui, mais moi, je sais pas qui est imposteur. Je rajoute un rôle. C'est... Putain, c'est fou. Oh. Attendez. Dodo. Oui, c'est l'ange dans le loup-garou. Putain, j'ai cru qu'on m'appelait. Oh. Faites-vous éliminer durant vos. Ah oui, s'il se fait tuer en premier, gagne. Oh. Ah, ça. Genre comme dans le super jeu qui a... Ah, et je rajoute le vengeur. Si vous êtes témoin d'un meurtre, vous pouvez temporairement tuer. Oh. Oh, le carnage. Ça, c'est beau, ça, j'aime bien. Ah, oh, c'est stylé, ça. Non. J'ai pas écouté, c'était quoi? Y'a pas mis, là, si. Quoi? Blake, j'espère que tu. Ah, du coup, on voit les sabotages. Comment on voit les rôles, en fait? Le feu si I en haut à droite. C'est une victoire pour les canards. Ok, merci. Ouais. Et ben en attendant Lia, pendant ce temps-là, il y a Leia. Vous avez qui vu fait les différents sabotages en fait. Son mémoire. De quoi? Oh, je suis perdu. Trixie. Je sais pas pourquoi on dit ça. Ah ok. Mais personne n'est prêt en fait. Bah Trixie met un short. Ouais, non mais Trixie met un short, mais Dorlia met pas de short. Mais je mets un kimono, mec. Ça. Et moi, je suis prêt, moi. Ouais. Mais Dorlia, elle a toujours pas mis prêt. Hein. Cette fois, j'espère bah que non, je serai un imposteur. Bah non, j'ai dit j'attendais Trixie. Mais pourquoi? Putain, ça a vraiment Trixie est tombé, hein. Bah, j'attends Trixie et Dorlia. Je t'aime, mec. Moi aussi, je t'aime. C'est quoi le truc de la bouteille, là, dans le sabotage? Super, pas de réponse. Ce sabotage entraînera la victoire d'un canard s'il est non fixé. Ah. Mais ça fait quoi le truc? Ça doit être le système de O2, je pense. Ah, en mode. Ok, d'accord. J'en sais rien. Encore une fois, j'ai jamais été imposteur donc. Ah oui, tu peux pas faire d'urgence. Et t'as vu que le lustre il bloque le chemin aussi pendant que. Ouais, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'il y a. Les maps sont un peu évolutives, c'est-à-dire que selon ce qu'on va faire et tout, par exemple, il y a une map où il y a un mur qui peut se casser et du coup ça crée une autre entrée dans une pièce. Ouais, et du coup, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais le lustre, quand il tombe, il bloque la porte. J'ai vraiment de le dire. Ah, c'est fait exprès. Trixie, t'as mis ton short? Ouais, tiens. Ok. Putain, Dorlia, j'ai dépensé 1000 pièces pour cet outfit qui est dégueulasse. Alors que t'aurais pu prendre un magnifique kimono, on aurait dit la kimono. Il coûte combien? Pas cher. Il coûte 250. De mon blast de. Mais attendez, on a de l'argent. Ah, mais on a de l'argent. Ça, mais non. Bah oui. Viens, on va faire les ninjas. Sans. Attendez, je vais. Lapidou, là. Je vais faire des emplettes. Hein. Ouais. Vas-y. Moi aussi. Dis que t'as ton skin de boss de fin de niveau là. Ah, je sais. Ouais. Tu vois les gars, regardez. Attends, regarde, je suis un Dark Sasuke là. Moi, le chat, je vais acheter ça comme animal. Skin, frère. Allez hop, ça y est, je suis un Dark Sasuke. Fais des emplettes. Ah merde, j'ai pas. Oh, qu'est-ce que j'emplette? Oh non, Lapinou, le mage noir. Mais Chris, pense à changer de map du coup. C'est Donjon et Dragon ou quoi? Maintenant, ici. Maintenant là. Bah ouais. Les deux karatékis. Attention, il va invoquer l'armée des morts. Oh, et Manu 3, c'est Cobra Kai. Hein. Il y a plein de skins stylés. Voilà, comme ça fait un peu infirmier. Mais moi, j'en ai pas vu. J'adore. Dans la boutique, où est-ce que vous voyez mais ça? Mais dans le casier Emma, en gros, il y en a que tu peux acheter avec l'argent du jeu en fait. Mais là, il faut pas que t'achètes des skins dans la boutique. Il faut que t'achètes de l'argent du jeu directement. Ok. Et c'est ensuite tu pourras prendre ce que tu veux. Sont gratos. Ah ouais, ok, je vois. Mais Trixie, c'était très long pour mettre un short. C'est vrai que c'est long. Là, elle est le coup, elle habite loin. Ah ouais, pardon. Elle a deux maisons. Elle a une maison pour streamer et une maison pour vivre. Elle est partie l'acheter. On sait pas. Elle est en train de le coudre.
Ah, on serait une petite abeille. Elle a changé de maison pour aller en poudre. Oh, mais trop mignonne. Ah, il y a un skin vache. Bah, pas du tout dans la pince. Ah, skin abeille, il est vraiment chou. Vu mon poids. Oh, c'est bon. Allez, Trixou. Par contre, c'est des grossophobes. Oh, waouh. Là, on est stylé, là. Waouh. Ouais, mais vous serez pas plus stylé que Dorian et moi. Attends, mais vas-y, j'ai envie d'acheter ça là. Comment je fais pour acheter? Mais il y a plein de rôles. Je protège tout. Voir ça. Et oui, il y a plein de rôles. Vous voyez pas? Non, mais il y a une masse. Il y a une masse. Attendez, je m'achète un skin du coup. J'arrive. Et on va proviser. On va petit à petit pour pas que ça soit trop le bordel au début, tu vois. Oh, mais comment tu fais pour acheter la monnaie du jeu, Chris? Parce que moi, ça marche pas. Mais tu peux pas. C'est dans la boutique. Ça t'ouvre un truc de ah, bah, ce qu'on a là. Et tout en bas, ouais. Oh. Ok. Salut. Tu sais que. Eh, désolé les gars, aussi. Je vous jure, il fait tellement chaud, j'ai failli faire un malaise, du coup j'ai été prendre l'air, genre. T'inquiète. Non mais je te comprends parce que moi aussi j'ai giga chaud, sauf que si je mets le ventilo, vous allez dire oh, qui c'est qui habite en montagne, bande de connards. Exactement. Salut Frérot, attends là, mettez-vous prêts, non mais oh. Attendez, je suis en train de m'acheter un skin, personne ne bouge. Oh putain. Oh mais qu'est-ce que t'habites, vite, démarre. Affiche pas ton PayPal, mets ta cam. Mets ta cam. Tu parles à moi là? Oui, affiche pas ton PayPal et ta carte bleue quoi. Mais mets-toi en full screen. Regarde. Non, ça affiche pas sur Steam. Ça affiche oui, pas, mais elle fait souvent des captures d'écran, elle. Hein. Ah. Attends, oui. Je mets ma carte. C'est pour ça que je dis ça. Aïe. Elle valide sa carte bancaire, on va voir flou. Hein. Attends, vas-y, je vais regarder là vite fait là pour. Pour, ils sont pour écrire la carte vite fait. Oh, une commande Amazon à 500 euros. Les gars, j'ai toute la boutique en fait. Arrête. Putain, vous m'avez fait bader du coup, j'ai cru qu'ils voyaient. Elle a pas envie d'acheter. Non, Michel. Mais elle peut pas acheter plus tard. Ok, Michel, ça c'est bon. Par contre, ah, mais non, gars, attends, depuis tout à l'heure, j'attends. On s'ajoute ou quoi là? Ça sert le fait que je vais pas prêt. Ok, c'est bon. Les kimono comme nous. Les gars, vous allez tous être surpris, mais Dorian est toujours pas prête. Ouais, non, mais Emma non plus. Parce que j'attends Emma. Elle m'attend. Attendez, j'arrive. Voilà, vous voyez, ça sert à rien. On joue quoi? Ça sert à rien. Ça va pas se lancer. Ça va pas lancer. Non, on est BG, mec. Oui, c'est moi qui lance. Ok. Ouais, franchement, on est super. Je valide avec ma banque, bougez pas. Oh putain. J'aime trop. Eh, pour la peine, on va garder la même map, Emma. Tu vas pas niquer mon best-of. Comment tu fais pour aller lentement? Mais parce qu'il demande ma banque. Ma putain de banque. Ok, là c'est bon. J'accepte. Oh, okay. Bon, les gars, je vais faire à manger, je reviens, d'accord? C'est bon. Ah, putain. C'est bon, j'ai compris. Est-ce que je suis habillée comme ça? Ah, bah, t'es nul, tu vas vite, toi. Non, faut qu'elle le... Après, faut qu'il y ait dans la boutique, Emma, et que tu le mettes. J'adore. Mais c'est... ça dure 1000 ans, c'est insupportable. Justement, je voulais t'en parler. Voilà. Bon, laisse tomber, ça marche pas. Vas-y, mettez-vous prêts, je vous en supplie là. Si, les deux là. En fait, faut que tu redémarres. C'est bon, je suis prêt. Ouais, c'est bon. Mais si, on n'est pas prêt. Toujours le même qu'on attend, on est Sim, enfin. J'en peux plus. Oh, je suis médium. Médium, c'est bien. Médium, c'est bien. Tellement de charisme. Ok. Eh ben écoute, Bichard, ouais. Très belle chemise. Merci, très belle chemise à toi aussi. Ah bah t'as vu ma veste? Mais j'aime trop ça mec, elle est d'enfer. Merci beaucoup. Moi ça fait un peu infirmier. Oui. Le rôle détective il fait quoi déjà? Bah l'équipe. Je sais plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Okay. Bah il me posait une question, rien de plus monsieur. Ouais rien de méchant. Pas bien, je vous surveille les gars. Bref. Allons au studio. Hop. C'est quoi là cette mission? Oh putain, faut verser du thé. Qu'est-ce que... Ah! Ah ouais, faut être dans la bonne hitbox quoi. Ok les gars. Salut Emma! Même pas eu le feu. Oh, qu'est-ce que...
Le bourlingueur. Bon, écoutez. Déjà. Il va falloir croire ou pas Mexen. Là, je vous annonce que j'ai vu, et après, c'est à lui de débattre okay. avec lui-même. Sachant que alors, c'est vrai que Bourlingue était avec Mexen en dernier. Alors. Oui, non, mais oui, non, mais de toute façon. Alors, attends, je dis ce que j'avoue, j'ai vu. J'avoue mon péché, tu pourras t'expliquer. Tu pourras t'expliquer. Alors, qu'est-ce que. Je sors de la salle à manger après avoir dégusté un bon repas. Qu'est-ce que je vois? Le bourlingueur qui détale à toute vitesse avec Mexen derrière lui. Mexen fait un énorme saut et le slash en deux. Et s'en va vers le bas. Ah bah tu l'as vu couper alors. Ah bah mais j'ai tout vu en direct. Mais j'ai arrêtez le en 8K. Pauvre bah le pauvre Mais seulement oh non, mais il me dit attends je t'explique, je suis shérif et c'était un imposteur. Ah. Voilà, à vous de prendre après. Ah. Écoutez, moi je décide de le croire. Je le crois. Attendez. Ah moi je le crois pas. Laissez-moi parler là. J'ai pété un plomb. Parce que écoutez-moi. Comme le chat. Je suppose que quand on est shérif et qu'on tue quelqu'un, si la personne est innocente, on meurt dans la logique. Oui. 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 C'est vrai. Bah voilà, donc c'est bon, Bourlingue est imposteur, ça dégage. Voilà, dites-moi okay. merci. Et si vous me votez la tête de moi, je vais péter. Ah oui, mais si t'es imposteur et que tu suis un innocent et que tu vois, là, le croque-mort, il aurait bien servi. Parce qu'il aurait pu inspecter le corps. Et savoir son voisin. C'est vrai, le croque-mort. Et oui. C'est vrai, putain. Et le croque-mort, là. Moi, j'ai pas voté Mexen non plus. Moi non plus. Ah bah j'ai pas eu le temps de voter, moi. Moi j'ai pas voté Mexen. Vous abusez. Elle a pas cru. Oh non, Mexen. Mais non. T'es trop con. Oh mais le pauvre. Mais putain, mais moi je suis sûr qu'il est au. Le pauvre, quand c'est moi, ça va. On a bien fait. On a bien fait. Léa. Oui. Tu serais quand même pas imposteur. T'aurais quand même pas sacrifié Mexen comme ça, sans foi ni loi. Non, jamais, c'est pas mon genre. Bah, ça doit être ça, ouais. Oh, Léa, ça va? Coucou. Oui, ça va. J'ai mon micro qui a bugué, mais là, je suis... Ça va, toi? Ça va, et toi? Donc, tu qui, Chris? Je crois qu'il y a un mort, mec. Hein? Je crois qu'il y a un mort quelque part. Il y a un mort quelque part? Je crois. Non, pas le lustre, s'il vous plaît. Je veux pas mourir du lustre, ce serait dommage. Non. Ok, c'est bon. Ah, mais non, je suis bête. Oui. Oh. Oh, pardon, excuse-moi, non, je parlais à quelqu'un d'autre. J'ai eu peur. Je suis bête, c'était marqué deux morts parce qu'en fait, Mexen a été expulsé. Ah, c'est là-bas. Et on prend. Ah, t'as galéré à trouver la bibliothèque, mec. Oh, bah, désolé, hein. Non, c'est chez toi quand même, t'abuses. Ouais, c'est vrai. Hop, petite lumière comme ça là. Let's go. Oh, il y a une tache juste en haut. Ok, c'est bon. Vas-y Emma, on les fume les deux. J'adorerais. Comment ça? Mais tu n'es pas canard, Lap. T'en sais rien. Bah, tue-le, vas-y. Ah bah non, du coup plus. Lap, t'es pas canard. Non. Alors. Bah si, j'ai tout vu dans rien. Ah non. Ah non! J'étais là! Non! Ah, si. Ok, c'est Dorlia! Si, Bichard, non. C'est Dorlia! Si, c'est sûr! Vous savez pourquoi? Parce que Dorlia, à ma. Enfin, ouais. Début de la game, j'ai un peu parlé avec elle. Et elle m'a donné des infos. C'est Dorlia, c'est sûr! Je suis sûr parce que vraiment. Honnêtement, je suis sûr de moi, il n'y a pas d'autre possibilité. Je passe devant Trixie, j'entends qu'elle dit quelque chose de je sais pas, j'ai pas très bien compris. Je remonte pour entendre ce qu'elle dit, elle est morte et Dorlia est sur le corps. Mais j'étais en train de regarder s'il y avait quelqu'un aux alentours, justement. Oui, Dorlia, je l'ai entendu parler, et comme par hasard, t'étais là, et tu fais genre, tu reviens, oh là là, je t'ai vu, s'il te plaît. Non, moi je suis sûr. Et je te dis, j'ai tout vu, tu me dis non. Ça veut dire quoi, non? Non, j'ai pas dit. C'est toi, Bichard, c'est toi! Non, t'as dit juste non. Bah si, c'est toi. Parce que quand bon. On fait le truc, c'est pour voter Dorlia, c'est elle. C'est Dorlia. Regarde-moi Dorlia. C'est parce que Dorlia, tu sais jamais comment te justifier. Dorlia, elle a pris pour une douleur. Je panique, moi là. Je vais faire confiance à Bichard. Je regardais aux alentours et puis. Et Dorlia, elle a pris les gens. Et puis tu l'as tué, dis-le maintenant. Mais non. Bah du coup, si Bichard a raison, on a gagné. Oui, c'est vrai. Oui. Sinon c'est Bichard. Okay. Ou alors c'était pas Mex. Ou alors c'était pas Mex. Ou alors Mex disait la vérité. Let's go. Ah Emma t'étais ange gardien. Ah c'est pour ça que tu. Mex il a non, assuré. Non j'étais pas ange gardien. Ah, Mex il était vraiment shérif. Vous me tuiez.
Au premier vote, c'est vraiment shérif. C'est vraiment shérif. Je t'ai eu. J'aurais jamais aidé vous si j'étais pas shérif. Mais moi j'étais une oie, j'étais pas un canard. Si, un imposteur aurait pu dire ça, mec. En rouge. Oui, mais du coup, le vrai shérif aurait pu dire. Allez, con. C'est moi le shérif. En fait, c'est pour ça que j'allais voir les gens, je leur disais, vas-y, viens. C'est pas faux ce que tu dis, la mec. Ah, mais attendez. Attendez, ça veut dire que tu sais pas qui est bien tourné des vivements de Sherlock Holmes. Non, en fait, j'avais vu qu'il y avait Boulogne et Lapino. Et genre, à un moment, je vois, il est mort, j'étais en mode, on est plus que deux, mais en fait, j'étais tout seul. Mais tu sais, en plus, moi j'étais le vengeur, j'aurais pu te tuer juste après, vu que j'étais témoin. Ah oui, j'avoue. J'ai pas fait gaffe. Mais surtout que les imposteurs, oui, le imitateur, on le voit. Emma, Dodo, c'est l'ange gardien, tu dois être éliminé au premier vote. Par contre, vu que ton pouce est proche de la barre espace, bah du coup, moi j'ai sans faire exprès cliqué sur barre espace et j'ai tué Bourlingue. Kimono ne fait pas mais du coup, oui, la logique était bonne parce que si c'était vraiment un gentil, bah je serais mort. Dorlia, mais prêt. J'ai voté exprès. J'ai mis prêt. Non, c'est la logique. Non, qui persiste avec la boutique. Non, mais après. Dorlia, mais prêt. N'attends pas les autres. Mais Emma, elle travaille. Je m'en fous d'Emma. Quoi? C'est Chris qui lance. Dorlia, c'est pas ça que je voulais dire. Oh, on m'a encouragé, merci. Une nouvelle map peut-être? La prochaine. Il y en a qui ont l'air trop bien des maps. Ouais, une nouvelle map, pitié, une nouvelle map, j'en veux plus de cette. À la prochaine. Détective. Ok. Sympa. Jusqu'à je taille. Ah, ok, c'est pas. Alors. Je reconnais ça. Bien. Hop, toi aussi tu vas aux toilettes? Ah bah je te regarde pas. Run. Un miroir qui me dit run. Ah bah d'accord. Ah bah c'est un beau message hein. Bah je me barre hein. Au moins c'est clair. tu te barres au même endroit que moi là. La salle de jeu? Je sais pas. Moi je dois faire le coussin là, attends deux secondes. J'ai jamais fait le coussin encore moi. Le jeu est vraiment bien en vrai hein. Bah ouais hein, je trouve hein. Bon, par contre, le coussin là. Je disais au chat, ça pousse vraiment à prendre le temps d'identifier les corps et tout. Ouais, de ouf. Tiens, Lapinou. Hein? Non, non. Le mage noir. Tu m'as entendu? De quoi? Tu m'as entendu parler? C'est-à-dire? Restez pas sur le tapis. Oh, rien, t'inquiète, mec. T'inquiète. Je pensais qu'il y avait personne dans ce putain de couloir. Attends. Non, mais t'inquiète. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais rien. Vas-y, va pas à table parce qu'il y a une cloche à côté, t'inquiète. Ok. Après, Chris, viens voir, Chris. Après, comme t'as un influenceur de fou, on va te croire. Je veux parler à Chris, s'il vous plaît. Ah, pardon, excuse-moi. Merci. Je vérifie que tu le tues pas. Non, il va pas me tuer. Bon, d'accord. Ok, je mets ma vie entre tes mains. Ok. Donne-moi en un. On le croise, je le tue. Grave, c'est. Bah. Alors. Aïe. Écoutez-moi, d'accord. Là, du coup, ce que j'ai dit dans la game précédente, du coup, ça fait sens. En gros, j'étais en train de touiller les chiottes. Ok. Okay. Et il y avait Hibou à côté de moi, d'accord. Donc, tous ceux qui ont fait la mission avec nous peuvent du coup certifier que Hibou est avec moi, d'accord. Ouais, que vous étiez que tous les deux. Et du coup, Yves m'a donné le tips de secouer la ventouse, du coup, pour faire la mission. J'ai dit, oh, merci. Et comme par hasard, il meurt. Et je pense que du coup, il était shérif et il s'est dit, bah tiens, mec, il est sûrement imposteur. Et bah non. T'es toujours dans les. Alors attends. Allez-y, votez-moi. Attendez, laissez-moi déduire quelque chose. Donc en gros, t'es en train de dire que Yves était un shérif et qu'il a tiré sur la mauvaise personne. Alors écoute-moi bien, mon bonhomme. Ouais. Si par exemple, Yves. Attends, écoute-moi. Si Yves était shérif. Et qu'il avait tiré sur toi, et que partons dans l'idée que tu es innocent, dans ce cas-là, vous serez tous les deux morts. Votez pas, attendez. Le shérif ne meurt pas tout seul, il meurt forcément avec sa victime. Je vais vous dire un truc, mec, non, pas forcément, Chris, non. Non, mais. Ah, sauf. Mais alors. Mais juste si vous voulez. Si le mec est innocent, le shérif meurt, mais pas la victime. C'est comme dans Among Us, parce que moi j'ai voulu tuer quelqu'un en étant shérif, je suis morte. Bah, moi en étant shérif. Ibs n'est pas shérif. S'il vous plaît, écoutez-moi, Ibs n'est pas shérif. En étant shérif, Emma, j'ai toujours été tué en même temps que ma victime. Mais mec, si c'est bloqué dans la salle de bain, je pense. Okay. Mais pourquoi moi je suis la seule à être morte et pas la victime alors? Bah, je sais pas. Bah,
t'as foiré. Vas-y, mais il m'arrive toujours des embrouilles aussi. C'est bizarre. Ou alors j'ai enlevé l'option, mais c'est bizarre. Dommage, mec. Non, mais c'est sûr que quand tu voulais tuer, t'étais pas contre. Non. Alors, il y a eu ça aussi, mais il y a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs incompréhensions. Alors, moi je vais être franc, les gars, j'ai pas compris mon pouvoir. On va réessayer. Ça met une tête à côté de leur pseudo, mais je comprends pas le but. Bien joué, Chris. Bien déduit, je vous admire. Bah merci, hein. 100%, il s'est bloqué dans la salle de bain 100% tout seul. Bah, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette salle de bain. En tout cas, j'espère qu'il se passera rien dans ce salon. Rien du tout. Ah bien. Ah. Mon offre tient toujours, Chris. Mais attends, mais j'aimerais savoir. Tu es du quel bord de la non, justice. Si j'ai assuré que Ibs n'était pas shérif, c'est pourquoi. Oui, mais du coup, tu vas mourir si je te dis quelqu'un d'innocent. Oui, c'est pour ça. Ah bah. Ok. Dorlia. Elle s'est cassée la gueule en bas. Ouais, vas-y. Dorlia. On la cherche. Allez. Allez, je te suis. Dorlia, t'es où? Oui, viens, viens, viens. Attends. Dorlia. C'est bien, tout s'est bien passé. T'es juste tombé. Ok. Dorlia. Ah Dorlia, on te cherchait. Il fallait qu'on te parle, toi. On va tester un truc. Oui. On va tester un petit truc là. Viens, vas-y, viens, vas-y. Avec moi là, le gris. Va avec le gris. Pour voir. Va avec le gris. Quoi? Vas-y, vas-y. Oui. Oh, let's go! Bah. Let's go, mon gars! Oh, le génie! Ça a marché. Let's go! Bien joué, Cowboy. On a gagné, les gars. Wow. Bien joué, Cowboy. Bien joué. On parlera après, Trixie. Ok, bon. Bah. Écoutez, mesdames et messieurs, Dorlia a été un imposteur, mais bon, c'est pas le sujet. Je suis juste un génie. Bon, enfin, bref. C'est pas le sujet. C'est complètement. Bien joué. Ah, oui, c'est vrai. Bien joué. Bon, on aurait pas dû buzzer parce que du coup, là, c'est problématique. Parce qu'on peut, on sait pas qui trop accuser. Alors, du coup, étant donné que j'étais le shérif, du coup, ce que je comprends pas, c'est l'histoire entre Ibs et Mex. Oh, moi non plus. Du coup, c'est vraiment incompréhensible ce qui s'est passé. C'était du bullshit, hein. Oui. Clairement. Du coup. Peut-être que je pense que le mec aurait dû mourir si ça se passe comme ça. Autre. Oui, mais oui, si le mec c'était le méchant, là on aurait gagné alors. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je sais. Donc en fait, il a juste mal compris un truc, je pense, le pauvre. Ok, laissez-moi vous dire un truc. Je pense qu'il y a un mec qui est venu tuer derrière. Putain, je l'adore en plus. Laissez-moi vous dire un truc, d'accord? Là, c'est très important ce que je vais vous dire. En tant que mentaliste, je sais qui est le deuxième méchant. Non. Et je peux vous dire non. Quoi que Bijard, t'es dans le beau droit. Dans le beau drap, j'ai pu parler. Ah non, c'est le beau droit, mon pote. Ah non, parce que pour ma défense, je savais que quelqu'un était mort au début du round. Ah oui, bon, on peut tous dire des défenses. Ok, écoutez-moi bien. C'est bon. Ouais. En tant qu'inspecteur Nuggets, je peux vous dire qui est imposteur. Ah ouais, qui? Vas-y. Non, mais là, c'est le moment pub, du coup, je le dirai après la pub. Okay, ah putain, sauté, hein, je ne suis pas imposteur. Ok, je lance 6 minutes de pub alors. Chris vous a menti et vous avez tous voté pour moi, bande de bâtards. Waouh. Désolé, ouais. Monsieur Bichard. Mais désolé. C'est pas compris. Merde. Oh, non. C'est gênant cette histoire. Chris, c'est quoi ce move? Bah désolé, je suis. Du coup, c'est forcément toi. Bon. Ah bah non. Réunion mentaliste. Oui. Ou alors peut-être que Chris. Attendez. Peut-être que Chris n'est pas. Peut-être que Chris c'est un dodo et qu'il essaye de se faire tuer au vote. Mais non, ça marche qu'au premier tour, ça Emma, c'est l'ange gardien. C'est à la première réunion. Ok. Bon. Elle est partie carrément. Bon, j'ai besoin de votre avis, monsieur le mentaliste. Ouais. Je mets encore une fois ma vie entre vos mains. Oh putain. Attends, laisse-moi réfléchir. Dites-moi que je suis. On est bloqué. Lapinou. Il m'a dit quoi? Lapinou. Okay. Oh non. Un truc. Oh non, je suis désolé, monsieur Chris, on a cassé le lustre de la barre. C'est pas grave, t'inquiète, tu vas pouvoir te faire pardonner. Viens par là. Oui, c'est moi. Voilà, bouge pas. Non, me fume pas. Let's go! Attends, mais. Mais attends. Attends, mais je comprends pas. Mais Fleck. Attends, mais il se fout de ma gueule, lui. Mais Fleck, il a un poster. Il se fout de ma gueule, lui.
Je vous jure mais que non, je vous c'est clairement un poster, Chris. Mais non, mais ne vous faites pas avoir. Mais attendez, attendez, monsieur Fleck. Ou un des deux. Vous m'avez menti sur votre identité ? Non, je suis effectivement shérif. Non, c'est pas possible. Ça fait beaucoup quand même. Mais je sais pas pourquoi, je comprends pas. Entre bonnes strates. J'ai appuyé sur espace. Oh le bâtard. Ah, il m'a bien bon, baisé. Fleck. Alors, du coup, c'est Fleck. Oui, c'est Fleck. Non, je vous jure que non. Ça oh, l'enfoiré. Je peux vous dire que je n'étais pas Fleck. Si. Oh, bah, c'est tous les deux. Allez, hop, le couple de mythos là. Putain. Bah, attends, le truc, il est combien de toi, et oh, dis donc. Je dis ton truc, Chris et Fleck. Putain, moi qui pensais être un génie, j'ai trop le seum. Emma, je suis ton col. Ah mais j'en sais rien, j'hésite entre les deux. Faites-moi confiance. Je vous jure que c'est pas moi les gars, faites-moi confiance. C'est Fleck. Écoutez les amis. Ouais. J'ai voté Chris, écoute, je sais pas. Si c'est pas Chris, je vous assure que c'est pas moi. Mais si c'est pas Chris, t'as gagné mon gars. J'ai voté Chris, je l'assume. Non mais bande de cons. C'est juste que je connais pas mon rôle, je sais pas comment ça marche. Il y a pas des rôles où tu peux tuer à l'infini et que t'es pas chéri. Mais c'est bien ce que je pense, mais sauf que ah bon, on est bien là. Oh non, mais attends Fleck, viens par là. Faut qu'on parle. Vous savez quoi? Je vais buter Chris. Non. Non mais je vois rien à foutre. Non, attends. Non, attends. Reviens ici. Je veux juste tester un truc avant. J'ai encore 10 secondes. OK. Attends, moi j'en ai 15. Attends, 15 moi. 15. Quoi ? Laisse-moi 15 secondes. Je suis pas shérif, mais laisse-moi 15 secondes. Attends. Je veux juste tester un truc. Éloignez-vous de lui. Emma, viens. Viens par là. Non ! Mais comment ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Alors attendez, peut-être que c'est moi qui fais une bêtise. Il y en a combien du coup ? Alors je vous dis ce que je viens de faire. Bah, en fait, je suis vengeur. Donc si que j'assiste à un meurtre. J'ai spam mes spams, j'ai le premier qui est devant moi. Et là, Nessie, ah, il a tué. Du coup, c'est toi qui as tué le troisième. Mais attends, et il s'est moi, passé quoi comme délire, là ? Et moi, je crois que moi, j'arrive pas à voir leur... Il y a un rôle terroriste, ouais, là. Ouais, attends, les gars, regarde leur corps. Mais je clique, mais je sais pas où ça s'affiche. Je t'avoue que je saurais pas dire. J'ai essayé d'une fois, je pourrais essayer un peu. Non, mais là on fait quoi parce que là si on putain je voulais voir mon rôle s'il marchait du coup parce qu'il a forcément un nombre de victimes autour de toute sa tête. Mais là Nessie, mais elle est buzzée non quoi, vous avez pas vu de la game, vous m'avez pas vu, il reste que nous quatre qui suivent viennent de mais elle est buzzée. Tu fais pas partie des trois qui est mort. Il y en a un qui va tuer là, il y en a un qui va tuer. Elle était pas verte. Si je crois que c'est moi qui l'ai buté. Mais attends, il reste que nous. Donc là, il y a un tueur parmi nous quatre. Bah oui ! Bah oui ! Donc il y en a un qui bluffe sa mère là. Hein. Mais buzz ! Ouais. Qui fait genre l'étonné, mais. Ouais. Ouais. Ça pourrait être toi le bourlingueur. Mais non, moi je vous ai dit que j'ai fait ça un. Ça pourrait être toi, fait un mort par aussi. Erreur. J'ai assumé oui, mon mort. Ça pourrait, oui. Bah, ça peut être toi, les gars aussi. Hein. Attends, mais comment ils ont fait pour se buter tous les deux ? Je comprends même pas. Enfin, j'ai essayé de regarder bah, leur rôle, j'ai pas réussi. Mais je comprends pas le rôle de Chris parce qu'il a dit attends, j'ai un cooldown de 15 secondes. Attends, il était peut-être vraiment shérif et il m'a tué. Mais non, mais c'est pas possible, y'a pas autant d'imposteurs. Sacré, c'est ouais, mais du coup, c'était pas le shérif parce que c'était. Attends. Non, je suis d'accord, il a dit je suis pas shérif donc je comprends pas c'est quoi son rôle. Mais oui, vous voulez faire des tests, genre Fabien Olicard un peu. Bon bah soit on fait nos quêtes et on gagne, soit on fait un truc mais... Mais buzzé. Bah, je propose qu'on fasse nos quêtes et, mais quoi et mais ça, qu'est-ce que c'est que voilà, ça on gagne. Moi bah, je pense attends. Que c'est mal imposteur là. On va pas report les corps vraiment là. Non, report pas. Bah si, tu pas plus là. Ah, il a bien joué, hein. Il sait très bien ce qu'il fait. Hein. Quoi? Pourquoi je sers le thé? Parce que... Pour qu'on se sépare. Si t'as report le bourlingueur... Il était quoi du coup? Parce que là le call ne sert à rien. Il était vraiment shérif. Tu veux de tuer l'un d'entre nous pour gagner? Mais je t'ai... Attends, mais toi, il a tué... Les quêtes, je t'ai suivi, j'étais en train de... Ah, alors c'est qui a call? Il a tué Dorlia, qui était vraiment un poster. C'est moi qui ai call. Et il a tué... Lap. Ah mais putain, vu que Lap et Dodo, ils jouent pas dans la même cour que nous. C'était quoi? Ok. Non, c'est calme d'un coup le lobby là. J'ai compris. Ah ouais, c'est vrai. Écoute, laisse-moi le temps, vas-y. En fait, Emma... En gros, le dodo il gagne tout seul. Donc en fait, si le dodo il est tué par le shérif, bah en fait on saura pas s'il est imposteur ou s'il est dans une autre équipe. En fait, c'est une troisième équipe. Du coup, il était vraiment shérif.
Et il m'a tué, et du coup, c'est pour ça qu'il est mort. Il y a du temps, et le tueur va juste essayer de nous voter, nous, et du coup, on va perdre, en fait. Là, c'est débile. En gros, ce qu'il fallait faire, c'était faire nos quêtes. On reste tous ensemble, on faisait nos quêtes une par une, on gagnait la game. Ok, Emma, je t'innocente de fou, là. Tu me plais bien. D'accord. Bah, on se quitte, Ness, alors. Bizarre l'accusation. Léa, tu parles pas beaucoup. Non. Nessim, je suis désolée, moi, je te trouve bizarre. J'ai dit ce que je pensais. Et ça, bah ouais, mais là, du coup, tu nous as fait perdre du temps, et tu nous as fait perdre un tour, là. Mais ça sert à rien, du coup, pourquoi j'aurais fait ça? Bah, parce que c'est toi l'imposteur. Mais... Oui. Parce que là, du coup, on a éliminé personne. Oui, Emma. Et du coup, ça veut dire que t'as un tour supplémentaire pour nous buter. Vas-y. Bah, j'ai une quête dans le jardin. Ils ont sauté le vote, ils ont pas voté. J'ai une quête dans le jardin. Mais les copains, ils sont où? Les copains, ouais, le culot. Les copains, j'ai une quête dans le jardin, venez avec moi, s'il vous plaît. Tu me tues pas, Nessim. T'as encore beaucoup de tasks? Mais non, je me tue pas. En vrai, 4. J'en ai 4 aussi. Ah oui. Ils sont cons, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. Oh là là. J'ai dit non, pas le luxe. Oh le génie. Le génie, c'est incroyable. Ils sont cons. Parce que en fait, ils allaient rester ensemble, j'avais aucun moyen d'en tuer un discrètement. C'est très fort. Attends, tu nous as flingué tous les trois. En fait, je savais pas qu'il était là, le lustre. Bah maintenant tu sais. Oh, c'est incroyable. Ok, je vais vous expliquer Emma, ce qui s'est passé Emma, du coup. T'as Léa, qui t'a dit j'essaie d'inspecter le corps, j'arrive pas, et t'as Bourlin qui a dit j'ai tué le troisième, et du coup Emma là à ce moment-là t'aurais dû comprendre que bah oui, c'est vrai. Trois safe, il restait que Nessim en fait. Mais j'ai dit que c'était Nessim, personne n'a dit Nessim. Attendez, c'est pas de la. Tu l'as dit 5 minutes après. Ouais. Bourlinguer, tu sais pas qui m'a tué. Mais je suis désolé, en fait, j'ai le rôle de vengeur et je dis bah je vais tuer le tueur. Du coup, en fait, attends, je vous explique ce qui s'est passé du coup. Je vous explique ce qui s'est passé. C'est un vrai carnage. Pour le oui, je vous explique. Écoutez-moi. En gros, Fleck était réellement shérif, d'accord? Il a tué Dorlia, qui était vraiment imposteur, ok? Il a tué Lapinou. Je peux revenir là-dessus deux secondes? Attends, je finis. Il a tué Lapinou, qui était pas innocent, mais qui était pas non plus imposteur. En gros, il était dodo. Et en fait, Dodo, c'est une troisième team. Il gagne tout seul, en fait. Ah, et du coup, le shérif, ça me bute quand même. Du coup, d'après ce que j'ai compris, le shérif te tue quand même. Et du coup, Fleck est mort à côté de moi parce qu'il m'a tué. Et vu que j'étais innocent, il est mort en même temps que moi vu qu'il était shérif. Et Dodo, c'est une dégoût. Ça explique pas comment Dorlia est morte. Parce que bah, l'imposteur, c'était Trixie et moi. Mais non, Dorlia, elle était aussi... En gros, c'était toi et moi qui étais imposteur, et il y avait Trixie qui était imitateur. Mais moi, déjà, dès le début de la partie, j'avais pas compris mon rôle. Du coup, je croyais que j'étais imitateur. Donc, à moi, j'ai appuyé sur un truc, ça a rien fait, on est parti, et en fait, Ibs est mort. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pas compris pourquoi il était mort. Et ensuite, c'est quand il y a Fleck et vous tous qui m'avez appelé en mode viens là et tout. Et j'ai vraiment pas compris, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Ton rôle, c'était Esper. Et quand j'ai vu qu'on m'a tué, du coup, bah. Oui, voilà. Ton rôle c'était Esper, et Esper c'est vous pouvez parler et tuer d'autres joueurs à distance, et voilà. Bah, c'était... En vrai, du coup, je l'ai tué à distance, mais j'avais pas compris que c'était mon rôle, et donc quand vous m'avez dit viens là, j'étais en mode mais j'ai rien fait. Oh, c'est pété de alors, ouf, en vrai, elle m'a tué, genre je comprenais pas. Mais moi je croyais que c'était Mixin, genre. Du coup, on va changer de map. C'est moi le faux imposteur. Mais du vas-y, coup, mettez prêt, mettez prêt. Ah et par contre, Dodo. Ah mais par contre du coup il faut qu'ils rejoignent. Ah non c'est pour bon moi, c'est mignon là non. Ah parfait. Oh mais ça m'a pas mis mon skin mais je vais péter mon crâne. Oh, oui. C'est les pyramides ou quoi là. C'est pas grave Emma comme ça. Attends, pour mon montage. Je mettrai pas prêt. Je mettrai attends pas prêt. Emma. Emma tu relances le jeu. En vrai c'est bien parce que pour mon best-of c'est chiant, je vais devoir changer tous tes trucs après. Mais attends, je l'ai acheté, j'ai payé 20 balles. Ah ouais mais t'es con aussi. Ah oui, bah attends, mais c'est cher 20 balles pour un skin de canard quand même. Oh, s'il te plaît, on a tous un. Déjà, c'est un skin. Il faut que tu redémarres ton jeu. Ah bah, elle est partie. Tapinou en sueur. Coin, coin. Hop là. Faut que tu redémarres. Oh, j'avais pas vu le marché. Attends, et vous savez pas à quel point je suis fier de ce que j'ai fait. Attends, il faut que je. Ah, c'est merveilleux. Vous avez dû saisir un code. La soirée, mec. Oui, tu l'as reçu par mail. On a juste dû faire suivre. Ok. Attends, par contre, du coup, maintenant, plus personne ne va me suivre. Il manque deux joueurs, par contre. Hein. Jamais, mon pote. Plus jamais. Ah, mais il y a un truc en dessous, trop stylé. Ouais. Où est-ce que oh c'est Bichard.
Tes plumes sont... Oh, voilà. Mec. Est-ce que ça te dirait de mettre ton bec dans le mien? Oh, risque. Oh, bon, wow. Le chat, je suis désolé, on n'aura pas de skin. Le code, je l'ai pas reçu, je me suis fait baiser. Essaye de redémarrer le jeu, Emma. Oh, non, non, c'est juste, il me demande un code par mail et en fait, ils me l'ont jamais envoyé, donc j'ai dépensé 20 balles Chris. Et j'ai pas reçu. Oui, on verra après, Emma. Oui. Et du coup, le croque-mort, ça s'affiche où, en fait? Je sais pas, je l'ai jamais été. Oh, si! Oh, je suis putain belle! Oh. Ah, merde, faut que je remette... Ouais. Ah, ouais, c'est Rio ici ou quoi là? Ah oh, putain, mais c'est ouais. Ok, parfait. Cabaret là. Attends, mais vu que t'es un canard et que c'est un carnaval, t'es rillette. On en peut plus de toi. Hein. Je suis pas sûr de celle-là. Hein. Waouh, wow. C'était trop nul. Lap, moi j'ai bien aimé. Mettez-vous prêts! Dorlia, je vais te péter la gueule un jour. Hein. Ah non, t'as dit quoi? Et quand il y a de la bouffe, j'aime bien. Oh merde, il manque quelqu'un. Je crois qu'il manque quelqu'un. Tout ça pour ce skin de merde là? Mon ok. J'ai même pas retenu les maps d'avant. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, on bute qui, Chris? Je sais pas, mec. Oh, la map, elle a l'air gigantesque. Hein. Elle est là, immense. Oh, mais elle est immense de fou, je viens de faire tab. Bah oui, c'est pour ça que je voulais pas changer tout de suite. Ah d'accord. Non, non, les deux imposteurs. Non. Non, il y a Rio avec nous. Rio m'a vu. Oh, tempête de sable. On va se faire buter dans la tempête. Sauvez-moi. Je suis là. Lap. Lap. Il est où? Ah! Sache que j'ai mis ma loupe sur toi et pour l'instant t'es gentil. Lap! Mais c'est fermé! Ah oui! Elle est trop énorme cette map! Non mais attends, mais elle est gigantesque! Ah, c'est fermé là aussi! Ah, et là aussi! Oh! Salut! Oh, j'ai bien taillé quelque chose! Je dois faire là! Oh non! Parce que... Ah non, là, y'en a pas. L'app a disparu. L'app! Putain, la tempête de sable. Il doit avoir un carnage. Hein. Emma! Il y a un moustique énorme sur mon écran. Si je tape, je démolis mon écran. Mais par contre, vas-y, viens. On peut pas passer nous. Non, je vous jure, mais moi je pouvais passer. Ah t'es en vie là. C'est trop stylé. Lap, t'es en vie. Arrêtez. On peut pas passer. Oui, Chris. Ah, je croyais que t'étais mort. T'es un imposteur. Mais non, mais Chris. Attends, viens voir. Viens, Chris, viens. Non, non, mais venez tous. Vas-y, si Chris. Parce que je vous jure que temps de fou là, on tombe dans son. Non. Mais je vous jure qu'on pouvait passer. Attendez. Bah moi j'ai passé normal. Oh bah voilà. Et c'était moi ça peut-être. On va tester sur ce coup là. Voilà, c'est pas moi. Pour ce coup-là, mais non, mais je vous jure que. Qu'on a vu. Non, Mex. Alors. Voilà. Mais il a rien dit encore. Attendez, juste, excusez-moi, mais Fleck est bugué, il est seul sur la map. Ah oui, parce que je crois que j'ai démarré la partie sans lui. Ouais. Ah bah ça doit pas être compliqué pour lui, c'est gay. Faudra rejoindre il après. Léa aussi, je crois, non? Non, Léa. Non, je suis d'accord. Elle est Léa même. Ah oui, non, je suis d'accord, en fait. Ok. En vrai, c'est cool, hein. Mex, tu m'as pas vu? Mais le pauvre, ça peut pas être toujours lui. Arrête. J'étais caché à côté. Non mais attendez, laissez-moi expliquer. J'étais caché je pense à côté. Que Ibs, il était allez, shérif. Parce que c'est bon. A dit mec. Non, c'est bon mec, c'est bon mec. Mais laissez-moi finir mon explication. Vas-y, fini. Non mais le pauvre. En gros, j'ai dit à Ibs, ok, viens plus dans ce coin-là parce que comme ça au moins les gens vont pas te trouver. Et du coup j'ai dit, bah non, au final je suis pas un poster. Et il m'a dit, bon bah c'est comme ça, pouf. Il est mort. Ah. Alors attendez, je suis pour qu'on laisse un mec. Alors moment, j'ai pas. Mais on vote pour l'app s'il vous plaît. Non mais je non jure c'est que pas l'app, pas c'est pas l'app. Mais Chris, il est passé à un endroit où c'est bloqué. Pour mais il aurait pu me tuer pendant la tempête de sable, il l'a pas fait. Mais ça veut voilà, pas merci. Dire qu'il est safe. Oui c'est vrai, j'étais. Mais là, il est innocent quand même pour l'instant. Ça veut pas dire qu'il est non plus tueur. Bah ouais, attendez, deux secondes. Moi j'ai juste entendu Ibs dire
tue-moi, je repasse à côté, mec, ça a tué. Ouais, j'ai entendu parler. Moi, je saute, perso, je skip. Il était shérif. Allez, je skip, mais c'est la terre. Juste le bénéfice à Mex. J'y crois pas. Mex, faut qu'on parle. Mex, viens, faut que je te dise un truc. C'est trop nul. Oh non. Arrêtez. Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est trop cool. Oh, bon, bah, ça va, allez. Oh, Mex, t'es où? Mex, viens. On y retourne. Viens, Mex. Ouais, dis-moi. Ok. Alors attends, j'ai une question. Il t'aurait dit quoi, Ibs? Reste loin de moi par contre, reste dans ton carré, reste dans ta zone. Quoi, t'as peur que je te bute? Arrête! Il t'a dit quoi, Ibs? Mais Ibs... Fils de pute, j'en étais sûr. Il allait me tuer là, il attendait son cooldown. Quel chien! C'est trop, c'est bon. Mais arrêtez! Hey, j'ai une bonne nouvelle! Chris, viens voir. J'ai un truc à te dire. J'ai tué Ibs. J'ai tué Mexen. Oh my god! Quoi? J'ai tué Mexen, les gars. Pourquoi? Vas-y, bah on s'occupe de Trixie, viens par là pour voir. Je comprends pas ce qu'il faut. Oh non, putain. J'allais tuer Trixie. Oh bah tiens. J'allais tuer Trixie, je te jure. Mais comment, pourquoi tu m'as tué alors que... Ah non, j'étais méchant en fait. Parce que t'as dit Ibs il est shérif alors que c'était moi. Donc tu l'as forcément tué. C'est pas la même chose que tout à l'heure, je suis mort à distance. Mais non, mais du coup, t'aurais dû laisser checker. C'est Emma, ah non, c'est Emma Bichard. En gros, je vous explique. Il y a Chris, c'était Chris. Attends. Et qui était avec nous, les gars? C'est Chris et Lap. Lap. Chris et Lap. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il... Alors en gros. Ok, il y a Léa. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Il y avait Chris, Léa, moi et Lap dans la même pièce. Et c'était en mode venez voir et tout. Chris, et ils étaient en mode oh, on va vous tuer. Sauf qu'en fait, moi, je me suis vengée quoi. Quand il y en a un qui a tué l'autre, j'ai tué l'autre. Mais en fait, ils savaient pas que j'étais vengeur quoi. Donc du coup, je leur ai clairement niqué la gueule. Donc voilà. J'ai une question. Mais donc, du coup, il y a combien de canards? Attendez. Donc du coup, ça veut dire qu'il reste des imposteurs là, non? Ou les deux étaient imposteurs? Attends, Trixie, c'est qui bah, qui a tué l'autre en premier? Bah, je crois que c'est Chris qui a tué en premier. Ou je sais plus, Léa, t'étais là, c'était qui? J'ai pas eu le temps de voir en fait. Mais du coup, Léa, s'ils ont voulu faire ça devant toi, ça veut dire qu'il y avait un imposteur dans l'eau, plus un imitateur, et toi t'es forcément imposteur du coup, s'ils ont voulu faire ça devant moi. Bah non, je pense pas. Après, il y avait peut-être le shérif aussi. Ouais. C'est un doublé qui a mal tourné, ça? Ok, je vous explique. Ouais, je pense. Non. En gros, le vengeur, il peut tuer quelqu'un qui a tué récemment. Je crois. Le vengeur, je vous montre, il peut tuer quelqu'un si vous avez été témoin d'un meurtre. Vous pouvez temporairement tuer. Et vu que j'avais tué Mex, peut-être qu'elle a pu me tuer. J'en sais rien. Dégage, je me suis fait niquer. J'ai rien compris. Je te jure que vraiment, ils ont voulu faire les malins en mode « Ah, on va vous tuer !» Il y en a un qui a chassé, du coup, je me suis vengé. Ah, c'est là la clé. Tu la cherches depuis tout à l'heure. C'est compliqué, là. Ouais, j'aime pas trop beaucoup ça. Il vous reste beaucoup de tasks ou pas là? Est-ce que s'il y a le mec qui l'a dodo qui est encore en vie? En vrai, au début, je pensais que c'était Emma. Quand il y a eu la tempête de sable, c'est pour ça que je pensais que Lap était morte. Parce que j'étais persuadé qu'Emma était imposteur. Ok, d'accord. C'est ce que j'en ai à foutre, sans déconner, mais bon. Lap était imposteur? Bah non. J'ai pas l'impression que Lap était imposteur, c'est pour ça. Lap était pas imposteur. Lap, il était... je sais pas, j'ai oublié. Hein? Quoi? Yo, man. Alors, on est mort? Lap, il était quoi? La honte. Lap, t'étais quoi? Eh oui, je suis mort. Ah, mec, allez, hop, tout le monde meurt. Mais mec, il était dodo, il était pas imposteur, ce con. Bon bah Bichard et Trixie. Mais non, je viens d'à côté. Comment elle est morte? Attendez, Emma. Juste question, qui est avec qui là, qui peut s'innocenter? Bah moi je suis avec Roland tout du long, donc c'est un de vous deux. Ok, bah du coup c'est Bichard, 100%. Mais non, je suis en train de finir mes tasks.
Non, non, Nessim, ouais. tu peux confirmer que c'est pas moi, je ne viens pas de là, de là où elle est morte. Non, alors, attends, de là où il est mort. Bichard, ah non, vraiment pas. Ça, alors que depuis tout à l'heure, je suis avec Bourlingue et t'as fait Nessim. Alors, moi, je vous explique où j'étais, j'étais au corps en train de faire des papyrus. Pour moi, pourquoi c'est toi, Nessim? J'arrive à un endroit, je te vois avec le corps encore une fois. C'est tout. Encore une fois. Encore une fois, par rapport aux parties d'avant. Ouais, non, mais là, je suis vraiment. Attends, je comprends pas, Nessim, t'es resté avec. Tu sais que je viens pas du coup. Bourlingue ou pas du coup? Tu es resté avec Bourlingue toute la game. Toute la game, j'avoue. Hein. Mais elle était avec. Mais attendez deux secondes. Emma, elle était avec vous. Moi, je suis parti faire mes tasks, vous le savez. Mais si, elle était avec vous. Elle était en haut, nous, on était à côté. Mais non, je l'ai pas croisée. J'étais complètement à droite de la map, vous savez. Enfin, Nessim peut confirmer, pour le coup, il m'a vu. Il m'a vu. Ah ouais, Emma est morte, mais je sais pas comment elle est morte. Ah non, mais Nessim, dis-le, tu m'as vu, je ne viens pas du corps. Bah, je ne viens pas du corps. Voilà, merci. Merci. C'est quoi au pire, ouais. Il y a une attaque à distance dans le délire, là, je vais prendre le risque, Bichard. Désolé, mon poulet. Oh non. Moi je prends un risque, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Il était sur le corps. Vas-y, je vote Nessim. C'est bon, Bichard, si tu restes sur moi, c'est que c'est toi, c'est bon. Allez, ça dégage. Mais pourquoi je n'ai pas de preuve? Aïe, aïe, aïe. Mais. Oh non, mais non. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il y a un de vous deux qui a voté pour moi. Mais j'ai pas. Emma, t'es morte comment? Ça doit être Trixie, non? Bah Trixie, elle est innocente. Ouais, c'est la vengeur, mais ça veut dire qu'Emma aurait tué quelqu'un devant elle? Ouais, je sais pas. Lap, t'es là? Là, il a eu un problème. Oh, bien joué ça. On prend le risque. Hein. Faut qu'on parle. En fait, vous avez vu? Je suis resté tout le long de la game avec Ness. J'avais pas l'œil dessous tout le temps, mais on était tout le temps en train de parler tous les deux tout le long de la game. Il est même venu me chercher quand il y a eu la doublette. Mais Bourlingue, je suis d'accord. Mais là, pour ce qu'il a, tu ne peux pas l'innocenter. T'es arrivé en même temps que moi sur le truc. Non. Bon, si, Bourlingue, il est arrivé en même temps que moi, je l'ai vu. Vraiment, Bichard, t'es venu genre 2 secondes après que je sois monté. Au moment oui, où j'ai et, le corps, et oui, et Bourlingue arrive derrière moi. Bourlingue, tu confirmes, t'es arrivé derrière moi. Donc tu peux pas l'innocenter. Moi, je me suis toujours fait appeler quand il y avait un kill par Nessim, ça c'est sûr. Je suis toujours arrivé après lui, c'est lui qui me montrait les oui, kills. Oui, mais je comprends pas. Ouais, bah justement, c'est arrivé après lui, pourquoi c'est pas lui qui le tue alors? Il aurait pu dire, regarde, il y a un fact dans le jeu, il m'a innocenté dès le début en disant que j'étais quelqu'un de bon et tout, et il s'avérait que c'était juste. Oui, mais. D'ailleurs, du coup, t'as eu à l'ego, genre. Mais non, d'avoir une capacité ou tu un sais, truc. Moi je suis quelqu'un qui investigue beaucoup, j'ai des petites loupes, regarde par-ci par-là. Oh, une petite trace d'empreinte. C'est pour ça que ça m'a convaincu. Voilà. Je reprends le risque. Ok, donc c'est forcément. Alors c'est Bichard alors. Vous faites une erreur. 100% si c'est pas toi, c'est Bichard. Vous faites une erreur, là, vraiment. Ah, mais c'est pas moi, je vous jure. Je suis choqué d'entendre ce que vous dites là, vraiment, c'est très grave. Nous sommes en guerre. Allez, Bichard. T'es là trop sincère quand tu parles. À la poubelle. Bichard, c'est toi ou pas? Dis-le maintenant. J'ai hit la game. Oui. Bah oui, bah voilà. J'ai tué Emma à distance, mais je ne savais pas que c'était possible que je tue une imposteur. Ah, une c'est sûr. Mais, oh merde, c'est toi qui l'as tué. Mais du coup, il y avait aucun pote avec moi, genre j'étais seule contre tous. Attendez. Bah, mais non, j'étais avec toi, Emma. Mais pourquoi tu m'as tué alors? Je comprends pas. Mais je ne sais. Mais normalement, on n'est pas censé pouvoir se tuer entre imposteurs. Mais attends, mais je comprends pas. J'ai tué des innocents alors moi, en vengeur. Bah oui, j'étais rien moi. Innocent. Mais alors, attendez, mais qui a Schlass qui? Pourquoi ça a Schlass devant moi? J'ai vu quelqu'un fumer. Mais c'est moi, j'ai tué à distance. J'ai tué à distance. Non, non, pas Chris, l'a pas Schlass. Et du coup, attends. J'ai tué à distance. Moi. Donc tu m'as tué alors qu'on était alliés sans faire exprès. Mais Trixie, en fait, Chris, il était shérif. Je vais péter mon crâne. Il a voulu tuer là. Je vais t'expliquer, Emma, écoute. Tu t'es trompé, tu t'es vengé, en fait, je pense. En gros, écoutez-moi, Bichard, que du coup j'ai été innocente aussi. Donc. Ouais. Ah putain. Moi je comprends pas pourquoi je pouvais passer. Il y avait un tout en haut, il y avait une salle avec du brouillard. Mais parce que tu étais un imitateur, t'étais un faux méchant. Du coup, il y a nous les méchants, on peut passer dans les salles. C'est pour ça que j'ai fait. Moi aussi je pouvais y aller. Ouais, et en gros, parce qu'en fait la salle c'est stylé. En fait c'est stylé la salle. Vous arrivez, il y a un miroir et vous pouvez en restant sur place, vous Par pouvez contre, vous balader sur la map. Quand il y a trop de rôles, je trouve que c'est incompréhensible ce qui se passe. Genre c'est trop compliqué genre. Il y a des actions, elles sont ouais c'est. Ah donc en fait l'imitateur il a vraiment les mêmes. Bah oui, en fait toi ton but c'est de nous voir kill et de savoir qu'on est des méchants et nous dévot quoi. Ah, je pensais que tu voyais juste un infiltré quoi. Je peux pas dire que j'ai pas fait un bon call techniquement.
Ah, mais attends, mais je t'ai persuadé. Mais moi, je suis passé dedans parce que je savais pas en fait. Dorian, je te jure, mets-toi prêt. J'en avais aucune idée. Et toi prêt? Dorian, tu peux te la dire? Je voulais juste dire que c'était ma dernière game. Oui, oui, t'inquiète, mais mets-toi prêt tout le temps. La dernière, alors, let's go. Non, mais j'ai déjà fait la dernière. Ah, on fait la dernière là? Bah, moi, je peux. On peut continuer après, c'est juste Dorian qui part. Dorian. Ah, okay. Non, ouais, non, fais Dorian, go, go, mais acceptez Dorian. Tixou, elle s'est pas mise. La vraie der. La dernière, Dorian. Allez, Dorian, c'est la der. Ah, c'était pas une vraie der, c'était pas une vraie. Il faut qu'on arrête de tous te parler et qu'ils m'écoutent parce que je vais devenir fou. Hein. Ouais, ouais, je me lève à 3h demain. Ouais, je pense là. Putain, j'ai pas été imposteur une seule fois, je vais vriller. Ah non, ouais, t'inquiète, t'as coupé avant. Salut toi. Salut. Ok. Hop. Ah non, c'est par là. Ok. Mais comment? C'est où que je la mets? Bah oui, j'aimerais bien que ça change un petit peu, qu'on a de me tuer. Dis donc, dis donc. Eh, au moins t'es moi pour une fois, hein. Tu vis ma vie, mon gars. Oh, dis donc, faire ça là pour me tuer là, vraiment, c'est petit là. Non, je te jure que non, je te jure que non. Bah alors, venez, on reste collé serré. Ok, vas-y. Allez, on attend gentiment. Ça se trouve, ils vont même pas nous voir, ils vont tuer devant nous. Ok, vous avez gagné des points de confiance. Ok. Dorian. Salut. Salut, mec. Allez, passe, vas-y, passe. Attends, Chris, viens, faut que je te parle vite fait. Je sais pas, je fais ma tâche. Oh bah y'a un corps là. Oh non. Attends. Je jure c'est pas moi, je jure c'est pas moi. Attendez. Qui c'est qui est mort? Ils sont très très gris. Mex. Le pauvre Mex ne dépassera oh jamais. Non, non. C'est pas cool. Faut arrêter avec Mex. Hein. Ok, bah du coup c'est pas ça que je voulais faire de base. Ah je me disais aussi. Super. Elle voulait activer un rôle à la Du coup, sur ce kill, je peux innocenter Chris et Fleck, déjà, je vous le dis. Moi je pense que c'est Bichard. Moi je peux innocenter Ibs. Moi je peux innocenter Dorlia. Bichard. Ok, donc Dorlia. Qui c'est qui peut innocenter Dorlia? À moi, à moi, à moi. Ma question moi, c'est. Lapinou. Est-ce que quelqu'un peut innocenter Bichard? Oui, moi. Oui, moi. Et vous venez de discuter actuellement et Bichard t'a dit la phrase. Bah rien, je fais mes tâches. Bah oui. Non, c'est moi qui lui ai demandé. Ah, oui. J'ai demandé Bichard était caché derrière un truc et je lui ai dit pourquoi t'es là. Pourquoi il t'étais caché, mec? Parce qu'il y avait un corps genre à 3 mètres de toi. C'est vrai ça? Ah ouais? Mais c'est vrai? Mais je l'ai. Non, mais j'ai même pas vu de corps. Oh la petite voix comme ça là. Non mais c'est pas Bichard, c'est pas Bichard. Non, je devais vraiment taper mes cocotiers. Non, je devais vraiment taper mes cocotiers. Non, il venait pas du tout du temple. Non, c'est pas vrai, il venait pas du temple. Quand moi j'étais là, il venait pas du temple. Non, je venais, Emma m'a vu il y a 5 secondes, mais j'étais en train de faire mes cocotiers, il y avait mes trucs de cocotiers là. Ouais, et juste au-dessus de toi, il y a un corps. Mais oui, mais je l'ai pas vu. Je passe. Ah, vous jetez? Non, mais vraiment? Oh non, mais non, mais c'est pas possible. On a passé, on a skip. Oh, mais non, on a skip. Je faisais mes cocotiers. On va voir ce qu'on passe skip pour deux. Possiblement deux imposteurs qui ont voté pour toi. Mais on a skip. Voilà, Ah, trois même, la vache. Oh les bâtards. Imitateur qui imite un peu trop bien, quoi. Bichard. Je suis fatigué là, hein. Je commence à en avoir marre. Oh bah super. Bah pourquoi? Je pense que c'est Bichard. Me colle pas trop quand même toi. Je suis mort. Où est Bichard? Ah Bichard! Dis-moi, t'aurais pas fait quand même des saloperies? Bah quoi? T'aurais pas fait des saloperies quand même? Ah non, rien du tout, rien du tout. T'aurais quand même pas tué ce pauvre Mexen alors que il n'a pas pu beaucoup jouer ce soir. Non, jamais j'aurais fait ça. Ça serait dommage qu'une balle parte à tout moment si jamais t'aurais fait ça. Ça serait... Oh, joli croco. J'espère qu'il a tiré. Quoi? Ah non, j'ai cru qu'il était parti en haut. Ah oui, c'est là, d'accord. Il est parti en haut, là. C'est là. Ah non, on peut pas ici. Ah non. Non, on peut pas. Bon lingueur. Yo, mon pote.
fils de pute. Oh, c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais comment ça t'as rien fait, Lapinou? Tu vas pas t'en tirer comme ça, Lapinou. Non, j'ai vis-clic. Comment ça, c'est toi? Attendez. En fait, hein? Ah, peut-être que là, t'es vengeur. Pardon. On était une bande de 4 il y a 2 secondes avec Chris là. On était une bande d'amis là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tout seul dans sa bande maintenant. Mais ah donc c'était bien Bichard, j'avais raison. C'était avec Chris, j'ai oublié. Putain. Moi j'étais avec Chris, il est quitté il y a 10 secondes. Chier. Et il est mort. Je suis quitté, je suis revenu. Il a fait bande à part. Il était mort sur mon chemin. Ah, il était avec vous? Qui ça? Chris. Non, il a tenté sur Ibou. Non, il était pas avec nous, non. Ibou, c'est toi le shérif? Ou c'est Chris? Il y en a un de vous deux. C'est possible, oui. Ok, bah non, c'est pas Chris qui a tenté sur... Je suis revenu sur mes pas, en tout cas, il y avait un mort, et c'était Chris. Ah, le bâtard, il tente ça, là. Il tente ça, là. Non, on mangeait des scorpions. C'est pas Emma, en tout cas, mais c'était son rôle. Elle a pas pu tester son rôle. Putain, je suis parti deux secondes, qui s'est mort en ce moment-là, je sais plus trop qui était avec lui. Moi, je mets une petite pastille sur Lapinou. Quoi? Moi je mets une pastille sur sauté. Oh non. Je vais enlever le rôle c'est Esper. Éliminer, c'est trop facile. Si tu es à distance, ça met trop la zizanie. Pour moi. Mais où tu m'as suivi comme ça là? Vous l'aviez senti pour Bichard. Vous l'aviez. Moi, finalement. Suivons ce petit bâtard là. Il continue à nettoyer l'escalier en pleine tempête. Petit bâtard. Il y a beaucoup de CG ici. Bien sûr. Il faut qu'on soit de plus en plus. Mettez-vous. Isa, t'es même pas CG. Vas-y. C'est trop grave. Isa? Non mais attends. Merci beaucoup pour tes 17 mois, Isa. Alors c'est comment cette soirée, crewmate? Isa? Kappa. Comment ça t'es pas CG? Mais t'es Fiacopolis. Non, non, mais écoutez-moi. Comment ça? C'est oui, Chris. Rappelez-vous ce que je suis. Rappelez-vous ce que je suis. Ah oui, c'est vrai. Mais menteur. Mais quel menteur, allez. Mais quoi, menteur? Là, ça veut dire que t'aurais gagné. T'as tué deux imposteurs. T'es en train de nous dire t'as tué Chris et Lapinou et y en a. Mais j'ai pas tué Chris. J'ai pas tué Chris. Mais j'ai jamais tué Chris. Mais c'est ce que t'as dit tout à l'heure. T'as dit je suis. Mais j'ai pas dit. Mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que j'étais possiblement shérif. J'ai dit que j'étais avec lui. Je suis parti 10 secondes et qu'il est mort pendant ce temps-là. Bien sûr, petit papillon, mais c'est genre. Rejoins la bande. Ah non, rejoins. Ne sois pas comme ça. Vraiment pas. Mais non, mais non, par contre, il y a Ibu qui vient de slasher et Lapinou devant nous au mais calme. Mais Ibu, il a dit qu'il était shérif, mais et oui. Personne n'a compté. Mais il a tué Chris avant. T'as fait deux fois. Mais j'ai pas tué Chris. J'ai pas tué. Mais t'étais avec Chris tout à l'heure. Mais oui, et j'ai dit qu'il a quitté deux secondes et quand je suis revenu, il était mort. Borlinger aussi était avec Chris tout à l'heure. Et pour autant, ça veut pas dire que c'est lui forcément. Moi, la dernière fois que j'ai vu Chris, c'était avec Ibu. Après, je sais pas. C'est vrai. En fait, le dodo c'est bien. Tirer sur quelqu'un d'autre, là, je le sens. Mais du coup, le shérif, le fait qu'il peut le tuer, c'est chiant. C'est pas toi. Ah, alors, on tente sa veste. Pourquoi? Parce que. Mais tu peux pas. Si on t'élimine, tu peux pas nous retirer dessus. Hein. Le chasseur. Ah, bah ça, oui, oui. Ça, il y a ça comme rôle. Hein. Ah, mais putain, on s'en va mettre. Je suis. Prochaine fois. Ouais, un loup. Vous avez voté pour qui? Moi, j'ai voté pour passer. Pas tout le monde, je crois. Non, pas tout le monde. Oh bah bonne chance. Je crois qu'on était que deux à voter pas. On l'a momifié. L'animation est quand même vachement stylée. C'est GG ou pas ça? C'était pour l'animation. On a gagné non? Oh non, c'est pas oui, je l'ai eu enfin. Alors là c'est gênant. Mais fait. Pour moi, Yves mentait. Il parle pas hein. Regardez là, il peut aller dans les endroits secrets qu'on connaît pas. C'est les espèces de ventes d'Egypte. Mais ça choque personne! Y'a Lapinou avec nous, ça choque personne! Mais je rêve! Mais attends, c'est Bourlinguer. C'est Bourlinguer. C'est Bichard, pardon. Bah c'est oui, du coup. Parce que Bichard il parlait et il était pas avec nous. Mais non, mais j'étais en train de faire Métasque en haut! Bah c'est je suis parti au début! Il a fait métamorphe de Lap, on peut faire métamorphe de cadavre! Où t'étais? Non, c'est pas possible ça. À droite, à gauche de la pyramide, faire mes quêtes de chandelles, allumer les bougies. Moi je suis en train de faire les dong-dong de la momie. Je vais refaire en haut les dong-dong de la momie. Tu nous parles en étant habillé en Lapinou. Ouais c'est vrai, vas-y, je te fais confiance Ness sur ce coup là. Non après ça va être de ma faute. Non, vas-y, je te fais confiance. Qui m'a soundboard?
Kim a Soundboard. Oui, bah, eh, t'as cru qu'on était tous des geeks ici? Il est malade. C'est toi, Emma. Mais je jure que Nessim, il en serait capable. Je jure que Nessim, il en serait capable de me Soundboard. Non, mais s'il te plaît. J'étais en haut à la momie. Moi, je vous suis, les potes. Oui, oui, oui. Allez, un bichard, ça dégage. Mais t'as versé une pute. Non, Nessim, tu m'as baisé. Tu m'as baisé, Nessim, c'est trop. Non. Mais c'est pas moi. Mais bien sûr que si, tu veux que ce soit qui? Mais ils ont voté pour moi. Mais c'est pas moi. Attendez, je suis perdu, je comprends plus ce qu'on fait là. Ça change pas le fait qu'il reste un imposteur, hein, par contre. Bichard, t'aimes trop être contre moi, toi. C'est une dinguerie. Mais je comprends pas. C'était pas lui. Oh merde. Mais tu pétais mon crâne. Bah... Bourlingue aussi. Bah Bourlingueur. Bourlingueur. On était tous les quatre là. Ça se trouve, c'est Léa et Peter, elle se met trop bien, wesh. Mais Léa, on l'avait pas. Mais non, mais je pouvais pas être métamorphosée alors que j'étais avec vous il y a deux secondes. C'est vrai. Mais Bourlingueur, ça peut être moi. C'est quoi? Si tu parles, on est indulgent. Pardon, pardon, j'étais mute encore. Pardonne-moi. De quoi? Tu es quelqu'un si tu te dévots maintenant. Mais j'ai rien à dévot, moi, je faisais mes quêtes tranquilles. Ouais, attendez, restez tous près de moi. Oh non, arrêtez. J'ai peur là, non. Oh non. Oh, il faut signaler. Oh, c'est ballon, ça. C'est le bourlingueur. C'est très fort, hein, parce que là, franchement, tu me tournes autour depuis tout à l'heure. Hein. J'arrive pas à l'ai vu, c'est le bourlingue. C'est le bourlingue. Mais que... t'as rien pu voir, Emma, c'est impossible. Si, parce que t'étais le seul. Non, mais c'est vous en vrai, il aurait filé baisé. Non, pas tempête de sable, c'est bien, ça. C'est bien, la tempête. Hein. Mais attends, c'est intéressant. Comment tu es sûr que c'est moi, alors? Non, non, c'est intéressant. Parce que au niveau du brouillard, t'es le seul qui était au niveau du corps quand on l'a vu. Mais non, mais je suis d'accord même pour le coup, ça, mais j'ai pas fait le mort. La seule personne qui était pas avec nous quand on était tous ensemble. Ouais, et en plus, ouais, j'avoue. Ah, yeah, là, c'est si c'était pas Bichard, c'était que c'était toi, Lapinou. Non, mais pour moi, c'est Ness qui nous manipule depuis tout à l'heure. Hein. Non, Nassim, il était là pendant qu'on parlait à Lapinou mort. Mais attends, mais on peut sûrement tuer à distance. J'aime trop cette soundbande. Elle est géniale. T'es sûr qu'on peut tuer à distance dans le jeu, on le sait. Oui, hein. en étant espère, on peut. Ah non, je me ferai pas avoir moi. C'est ce que j'ai moi, je rentre pas dans votre jeu, les gars. Bourlingueur, c'est une personne que j'adore. Pour autant. Bon, merci, mec. Arrête. Plaisir, ça. Bon, Dorian et Sim, je vous propose qu'on tue Bourlingueur comme ça. On se retrouve tous les trois. Comment j'aurais voté pour Nessim avec sa soundboard? Vote Nessim 100%. 100%. 100% c'est non, Dorlia. En fait, être une CG, c'est une secte. Non, mais pas une secte. C'est une grande famille. Vous rejoignez la famille et vous serez heureux. Vous serez bah, regardez. Aimé. Ouais, c'est déjà bien. Voter pour moi. Mais non, mais. Le monde dégage, Bourlingueur. À la poubelle. À la place. Mais non, en fait. Oh là là. Attends, quoi? Tu vois, tu peux tuer. Alors, tu m'entendais? On tue le shérif. Et en fait, attendez, vous m'entendez ou pas les gars? Ouais. Oui. En gros, moi je pensais que Ibs m'a tué, mais en fait le métamorphe s'est mis en Ibs pour me fumer en fait. Ah oui. Donc en fait c'est Bichard qui m'a tué. Compris. Oui. Moi j'ai rien compris, c'est Emma qui m'a tué moi. Mec, je suis désolé mec. Ouais, j'ai pas remarqué que c'était toi. La vengeance. Mec, je suis désolé. C'est assez stupide pour métamorphoser et parler. Mais non, mais en fait les rounds précédents quand je devais... Je devais repiquer une métamorphose, repiquer un nouveau joueur pour pouvoir me nouveau métamorphoser. Parce que là, ça m'a laissé la métamorphose de Lapinou. Alors normalement, je suis censé le voler à quelqu'un. Du coup, moi, je voulais voler Doria. Et j'ai pas pu voler Doria. Et en fait, quand j'ai cliqué sur Doria, ça m'a métamorphosé, sauf que je l'ai pas remarqué. Voilà. Oh non. Et c'est que quand j'ai parlé, à un moment, je bouge et je vois Lapinou et je fais oh non. Oh non. C'est parti. Elle est jolie cette map là. Trop bien. Allez, il y a plus les loups. Cool. Ah si, ils sont là. Vous avez bien joué en vrai. Ouais. Oh, ça sent la map Among Us. Ça doit être le nombre. Oh, ouais, encore une fois. Let's go. Tu t'en vas dans rien du coup. C'est un endroit qui ressemble plus à Among Us ici. Ouais. Chris, j'en fais encore une. C'est vrai. Ok. Du coup, je vais vous laisser. Après, je vais dodo. Vas-y, t'inquiète. Vas-y. Elle va appeler sur mon téléphone. Bisous. Attends, mais il est sexy. Bisous dans rien. Bisous dans rien. Trixie, il faut m'être prêt. Attendez, je suis en train de m'acheter une chaîne. Ouais, t'es tout nul. Excuse-nous, 50 cents. Hein. Là, c'est 50 nuances de plumes, mec. Waouh. Et rappelle-moi le P du début. C'est Léa qui manque. Eh oui, Léa, on va te retrouver. Hein. C'est le P diabolique.
Ah oui. Jamais, Chris, jamais. Non, c'est pas lui. On se voit bientôt, les gars. Quoi ? Tu peux mettre prêt ? Ouais, c'est le pédémoniaque. Le pédémoniaque. Oh, non, attends, je t'entends pas, ils font trop de bruit. Mais prêt ? Oh, pardon. Regarde. Ah, je vais vriller, hein. C'est quoi cette équipe ? Mon P, il a dit le pire. Ouais, moi j'ai le droit. Mon flouze démoniaque. C'est bon, Trixie, t'es habillé ? Moi j'ai un peu de droit comparé à toi, Bichard. Ah, on a paru au hasard. Et attention, Chris, il y a des gens qui. Oh, il y a deux vaisseaux! Comment on passe d'un à l'autre? Ah non, c'est un étage! Ah, c'est un étage! Et on découvre la map ensemble. Non. Comme au bon vieux temps. Ah. Désolé, hein. Il y en a qui ont du travail, hein. Hey, ta mère, t'es une pute! Mais elle est super forte, ça. Merci beaucoup, Roi Lion, pour le sub offert à Coralie. Merci beaucoup. Oh. Waouh. Oh non. Oh, je suis désolée. Oh, j'ai fait un truc. Oh, je suis désolée. C'est Max Boob. Pourquoi t'as fait non, ça non. C'est Max. Oh non, je suis désolée. Je suis désolée. Ok, c'est Emma. Hein. Ok, ah, bah, j'aime bien ce qui vient de passer, moi, en tout cas, là. Je me demande ce qui se passe, là. Bon, bah, on skip. Bah, au gros, j'ai appuyé sur le truc pour qu'on parle, mais j'ai cru que c'était une tasse que j'avais pas compris. Non, mais c'est pas possible. Je me suis dit, bon. Ok, ça passe. Ok. Wow, quelle rapidité. On skip. Tout le monde a voté. Tout le monde a voté, on est d'accord. Bien, les sims. Mais arrête. Non, c'était tellement un misclic nul. Oh, mais qui ? Ah, non. Il y a trois mecs qui se sont perdus, là. Allez, hop. J'avoue, je me suis voté parce que j'ai été lent. Il y a bug, les gars, j'ai pas compris. Bonus, Citrax, dors bien. Bah, c'est moi, j'ai appuyé sur. Pourquoi on apparaît au hasard? J'ai pété un plomb. Ça va, mon pote? T'as vu, il y a une vente là, regarde. Ouais, je vois. Ouais, c'est Among Us ou quoi là? Bah, c'est la map qui ressemble. Us, hein. Oui. Oh putain, le trio Chuck. Vous avez vu, il y a un autre vaisseau, genre. Sur la map. Ah ouais? Celui-là, ou un ah oui, c'est vrai. Avec un téléporteur, vous deux. Ouais, je sais pas comment on y va. Ah, il y a un pont, bah, dans le pont, j'imagine. On y va, on y va. Faut aller au pont, je pense. Ah, on s'entend plus. Ah non, c'est pas ça. C'est pas possible. Non! Oh mon dieu! Quelqu'un est mort! Un mort! Oh là, j'ai fait Christos! Y'a pas le croque-mort là? Croque-mort! Quelqu'un! C'est pas moi! Fais le taf, mon dieu! Je suis pas croque-mort! Oh! J'ai vu! Oh, c'est pas mon dieu! Arrivez-vous! Mais déclarez le corps! Là, je te jure, c'est pas moi, je crois que c'est mec. Je l'ai vu bouger au. Salut. Ça va toi? Ah mais c'est trop bien pour kill ça. Oh c'est trop bien. Mais t'es en train de me kidnapper là. Attends. Nessim. Ouais. C'est trop stylé. Camoulux. Attends, il est trop trop. Camoulux, ouais c'est vrai. Putain, j'ai rien vu. Ça, en fait, ça l'a rêve. Pas vu. Pourquoi ils ont pas déclaré mon corps? Alors attendez. Bah en fait ils ont profité parce qu'on était tous groupés. Dans le doute ces mecs. Non mais attendez, parce que j'ai une info, mais je suis pas sûr, et le truc c'est que c'est contre Mex, donc j'ai pas envie qu'il meure encore une fois, si c'est pas lui. Il peut faire des kills comme il veut maintenant. De ouf. C'est quoi l'info? Bah c'est qu'en fait, au moment où il y a eu le deuxième mort, j'ai vu Mex bouger vers lui, mais c'est pas pour autant lui forcément. Ok. Ah ouais putain ces mecs sont fusés, ce bâtard. Putain mais pour la guerre il m'a tué sans soucis quoi, genre il a pas de pitié quoi, il s'en fout. Il va passer une bonne soirée, il va bien dormir ce chien. Je rêve. Voilà, Fleck. Bah voilà, on est bien là. Bonne ambiance. Merci Sid pour le sub et les 6 mois. Sans pitié, mais je vois ça. Pas de mal perdu ouais.
Tu vois ça? Moi j'hésite à peine. Sans pitié. Je veux pas après, lui faire du mal et. J'ai une activité à vous montrer. Attendez. Le truc des téléporteurs? Viens. Non, mais. Mec, viens. Emma! C'est Chris qui a mis ça, genre son. Venez. C'est pas là. Ah, mais il est con lui, c'est pas l'autre. Attends, vous êtes où? C'est là, suivez-moi. Il est en dessous encore, venez. Je découvre sans moi. C'est chiant. Ok, ouais, rentrez là-dedans. Ah, mais c'est le téléporteur pour aller sur le rentrez là, allez-y. Venez. Vas-y, appuie. Oh, le double kill. J'y ai pensé. Salut. Je ne comprends pas ça. La double kill, hein. Double kill. Préparer les communications. Ah, préparer les communications. Mais putain. Espèce de bouffon. Tu les amènes tous les deux pour qu'ils fassent un double kill. Espèce de gros chien. Mais c'est pas possible! C'est pas possible! C'est moi qui est à l'envers! Ou c'est la planète qui est à l'envers! Mais j'en savais rien! J'en savais rien! Le gars les amène, c'est du caviar! Là c'est du caviar! Les corps pour les retrouver, on a le time! Merci, presque un an! Putain! Ils reviennent sur le lieu du crime, les bâtards! Mais putain! Regarde! Non mais quoi? Mais ils m'ont téléporté! Rendez-moi mon corps! Mais ils m'ont téléporté! Qu'est-ce que tu racontes? Ah putain! Mais c'est pas possible! Ah, oh, je suis mort! Mais non! Incroyable! Mais quel bouffon! On a fait n'importe quoi qui s'est passé! Oh la vache, ça marche vraiment! Oh, c'était incroyable! Ah, je vous ai ramené! Le plateau d'argent quoi! C'est trop grave! Putain, mais c'est quoi cette dinguerie? C'est trop grave! Mais le pire, mec, c'est pour moi, c'est gratos! C'est gratos. Non, on voulait revenir, mais les deux cadavres étaient dans le vaisseau. Mais on est vraiment hyper con, sérieux. Ah, mais que je suis resté pour la science, logique. Genre, j'étais en mode, ouais, je veux trop voir ce que ça fait, genre. Ouais, j'espère que t'es satisfaite. Mais du coup, bah, sachez que bah, pas trop, Edmond. J'ai pas kiffé. Moi aussi, j'ai rajouté sur Mex, mais bon, moi je vous laisse. Bisous. Bisous. Vas-y, moi j'en fais une dernière, c'est vraiment ah, ma dernière. Ah, let's go, Bichard. Let's go. Allez, c'est comme ça, comme ça, vous en faites encore une à 10. Mais oui, on a tué. Ah, si, on a tous le vaisseau qui bouge. Bah, du coup, c'est la dernière de tout le monde là, vu que tout le monde part après. Non, ouais. C'est vraiment, ce jeu est vraiment trop bien, faudra en refaire. Ah, merci. Ah, ouais, il est cool, hein. Attends, Bichard, parce que c'est culotté de dire ça, hein. Ah, mais. Oui. Allez. Tranquille, je le vis bien. Y a pas de soucis, hein. De toute façon, j'avais pas envie d'être imposteur, donc je m'en bats les couilles. Soirée coin-coin! À qui le dis-tu? Moi, je suis prête, hein. J'ai un beau costume pour la soirée. Oh, Chris! Oh, j'ai Emma. Été 11 fois, hein, je crois. Hein. Ah, sympa cette tâche pour tuer des fourmis là. Ouais, ça va et toi? Tu vas pas me tuer quand même, espèce de grosse connasse de merde? Oh, j'adorerais si tu savais, mais non. Moi aussi, j'adorerais, Emma. Ce qui est bien, c'est qu'on sait tous les deux que si c'était toi ou moi, il y en a un de nous deux qui serait déjà mort. 23 mois déjà. Toujours autant de kiff de regarder tes lives. Continue comme ça, pouce levé. C'est quoi ton rôle? Attends, reviens. Je suis basique. Oh, moi aussi, je suis basique. Non, mais allez, c'est bon, lâche-moi. Si, je te jure. Mais je te jure que c'est vrai. Laisse-moi. Mais je te jure que c'est vrai. Écoute-moi. Laisse-moi. Non, je te laisserai pas. On m'a volé ma navette. On m'a volé. Plus jamais je rentre dans une navette. La dernière fois, j'ai fini poulet rôti. Emma. Non. Non, pas Emma, mon gars. Ouais. Non. Nice. On a écrasé quelqu'un. Oh non. Y'a quelqu'un qui peut... Non, attends, Bichard. Regarde. Mais c'est qui? C'était Ro... Mais ils vont nous accuser! Mais t'as pas vu tout à l'heure quand on s'est suicidé avec Trixie? Mais non! La game... Bah je croyais que c'était pour ça que tu gueulais tout à l'heure. Oh putain... J'avais presque fini d'arroser mes plantes. Parce que
Vraiment, Chris, la game juste avant, on s'est suicidé avec Trixie et t'as gueulé. Ok. Chris, oui. Vous étiez avec... T'étais avec qui dans le transporteur? J'étais avec Nessim. Avec moi. Mais en gros, je t'explique. Pourquoi il y a un cadavre? Enfin, attends, écoute-moi. Écoute-moi. Écoutez-moi. En gros, on arrive avec le transporteur. Toi, t'es avec Trixie de l'autre côté, c'est ça? Oui. Ok, Trixie se met sur la rampe où le transporteur se gare et elle s'est fait écraser par le vaisseau. C'est C'est Emma que j'ai. Ah oui. Devant. Ah bah nous on n'était pas là, on était de l'autre côté. C'est vous qui venez de prendre le transporteur. Ah non, on n'était pas dedans. C'est Trixie qui est morte. Mais si, vous venez d'arriver avec moi, vous avez écrasé Trixie. Oui, mais Emma elle était de l'autre côté. Emma elle était de l'autre côté. Non, Bichard, on t'a envoyé tout seul. Oui, t'étais parti tout seul. Oui, je sors du transporteur, je reporte instant Emma. Emma était devant le transporteur. Alors là. Il reste qui? Alors, je comprends ta logique, mais là c'est gênant là. Mais oui. Bichard, ouais, on peut tout expliquer. Attends, parce que je savais pas qu'elle était morte. On n'a pas l'info. Mais... Alors, par contre, vous avez pas l'air de l'avoir tué. Non. Vraiment rester sur la navette comme tout à l'heure, tu sais très bien que ça. Il a voté Max. Elle l'a roté. Emma, elle s'est fait tuer. Elle était tuée par le vaisseau? Non. Oui, ah mais oui, putain, son morceau. Oh non. Bourlingueur, espèce de petite salope. Quoi? Autant, c'est gratos? Bah, dis donc, tu m'as tué tout à l'heure. Bah non, mais c'était une autre vie. On est RP. C'est là, on est nous. Pardon, excuse-moi. Vous avez pas tué Emma? Non, on a vraiment pas tué Emma, non? Bah non. Moi, quand on est parti, elle était encore en vie, hein. Elle voulait pas monter avec... Bah casse-toi même. Elle voulait pas monter avec nous parce qu'elle avait peur de qu'on la tue. Ça fait quoi ça? Deux fois la même erreur, la dernière fois que je suis montée, je suis morte. Et là je reste à mais quai, c'est une merde lui. Et Bourlingueur débarque et me brûle. Oh non. Oh les bâtards. Regarde-le, c'est lui là. Emma. Ah, t'es là Chris? Bourlingueur il t'a tué? Bah ouais, il m'a tué. T'es mort? Bah oui, je suis mort. Bichard vient de me tuer avec le Bourlingueur. Moi je suis morte par le RER. J'ai vu, on était dedans. J'ai vu ton corps se mettre dessous. Le truc il repart, il y a une grosse trace de sang. Ah, je suis mort. Ok, donc, mais attends, tu sais qu'à chaque fois qu'on fait des soirées, j'ai jamais été imposteur. Bah, moi je suis pas, j'ai pas été imposteur de la soirée. Hein. Non, mais moi je suis jamais dans aucune game sur des mois, genre. Mais le problème c'est que moi je les organise. Une fois, et Bichard m'a tué alors qu'on était coéquipiers. Oh putain, là, ça fout la haine ça. J'ai abattu. Ah ouais, moi, je respecte. Oh rien mec, moi je le fais pas, c'est pour ça. Putain, c'est bien fait baiser hein. La 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 la. La. On est bien ici. Jamais on te déclare mort, bah ouais c'est sûr. D'où? On peut pas TP ici. On peut TP que dans ce sens. Y'a un mec qui est monté, non? Ah, non, c'est un petit duo hein. Oh, il cherche un duo de kill. Ils sont où les gens? Ça s'éclate au vaisseau. Ah non, y'a la pinou. Et pourquoi? Vous avez vu Chris vous depuis le début ou pas? Non. Non. Quoi, bande de chiens. Bah non mais depuis pourquoi tu cherches? Bande de chiens. Oh le bâtard. Ça va mec? Ça va mec? C'est quoi le problème? Vas-y dis-moi. C'est quoi le problème? En fait je t'explique. Tu vois là où tu nous as vu. Ouais. T'avais deux chemins. Et dans les deux chemins t'es imposteur. Comment ça, t'as deux chemins? Il y a un chemin. Porte de sortie, ça. Il y a un chemin où c'est le téléporteur et il y avait le. Lui, il est con, hein. Et il y a un chemin où les gens normaux peuvent pas passer. Lui, il est très con, lui. Et t'étais dans aucun des deux. C'est inspecteur Nessim, ça. Oh, il a voté instant. Parce que inspecteur Nessim. Non, j'ai sauté. C'est pas lui. Non, mais c'est moi. Ah, le pauvre mec. C'est Dodo. Il a passé une sale. C'est Dodo. Mais en plus, vous suivez les calls de Nessim quand même, hein. Vous êtes plein. Ah, non, j'étais avec Dodo. Lui. Y'a plus Dodo. C'est vrai, Dodo, ça marche plus. Hein. On a voté Dodo. Il m'a voté. Dodo, c'est le premier tour, non? Ça va bien, Guzimux. Let's go. Mon pote. Let's go. Oui. Elle est bien cette map, j'aime bien la map. Merci Gaspard mon pote. Pour le sub. Ouais toi mon pote. Énorme. Bah mon pote. Il est mort. Hein.
Ibs, mon pote, tu fais quoi? Putain. Ah bah tiens, Ibs, moi, bien joué, inspecteur des signes. Attends, mais mec, t'as fini où? Et voilà. Trois fois que je suis un peu. Mais t'étais où, mec? Mais comment ça, mais pourquoi vous votez tout pour Metz, il a rien fait? Je suis désolé. T'inquiète, mais là c'était obligé que c'était lui. Enfin vraiment, il y avait. Fesse de merde. Ouais, vraiment. Ça vous dit pas, on fait. Ça vous dit pas, on fait une DER parce que Chris il a toujours pas été imposteur. Donc... Vas-y, vas-y, go, 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 une DER. Merci mon ref. À toi aussi, Chris. Vas-y, vas-y. Ouais, j'espère qu'on sera tous les deux. Attends, où, mec, pour de vrai? Et moi aussi, j'ai pété un imposteur. Oui, moi aussi, je veux l'explication. J'ai juste pris le transit, c'est tout. J'ai pas fait deux ingénieries. Vas-y, bon là, on m'est pris. Après, t'es monté, il y avait juste le corps de Chris. Bon là, mes prêts. Ah. Oh pardon, ma vie. Oh bah. Ouais, ma vie. Bah étant donné. Je suis imitateur, oh, c'est déjà ça. On va tenter hein. On va tenter quoi? Ok. Comment ça on va tenter? Allons-y. Qu'est-ce que tu vas tenter? Ah mais t'as rajouté des rôles, Chris. Coucou. Oui, j'ai remis les rôles parce que j'ai lancé son. Merde, pardon, excuse-moi, je mets. Ah bon, j'ai lancé son rôle tout à l'heure, c'est pour ça. J'ai remis là. Allez, petite tâche là. Oh, alors, Léa, ça geek? Ouais, ça geek fort là. Ça geek fort à ce que je vois. Hop là, je suis en train de me soumettre. Tu te soumets à quoi? C'est bon, je suis soumis à l'informatique. D'accord. Elle est louche, elle. Pourquoi tu marches, toi? Quoi? Emma, t'es louche. Mais non. Oh, allez, hop. Oula. Oula. Là, ah là. Oui, c'est vrai que tu m'avais sponsor, j'avais zappé ça. Il y a du monde, ouais, par contre, là. Ouais, il y a du monde, hein. Morlan, tu peux me frotter. Petite mission, là. Bah, allez, avec plaisir, bien sûr. Ouais. Hop. Un peu plus à gauche, s'il te plaît. Ah, excuse-moi, ouais, pardon. Tu sais compter jusqu'à 3? Ah, oh, putain, oui, ça c'est mieux, bon, ça. 1, 2, ouais, 3. Merci beaucoup. Oh, comment ça? C'est quoi ce cooldown là? Ah. 100% Emma est imposteur, on va la piéger. Hein. Elle croit que je suis avec elle, 100%. Oh, salut mec, comment ça va? Ouais, tu m'avais tué. Hein. Non, mec, jamais. Non, mais non, attends, frérot! Non. Frérot, commence pas! Attends, Bichard, regarde-moi. Regarde mon insigne, je ne t'accuse pas, ok? Ok, voilà. Ah non, bah, j'arrive dans une salle, vous êtes derrière moi, il y a un truc, je dis, oh les gars, il y a quelqu'un qui est mort là, c'est tout. Je vous explique mon plan, je vais rester avec Emma, vu que je suis imitateur, elle croit que je suis imposteur avec elle, vu que c'est marqué imposteur au-dessus de ma tête. Du coup, j'attends qu'elle kill et après, ça part en action. Là, un carrefour là. Okay. Ouais, pas le magasin. Pas le market, évidemment. Allez, on vote pour lui. Ouais. Non. Pourquoi? Pour mauvaise blague. J'ai bien aimé ta blague, Ibou, t'es mort. Il a cassé l'ambiance. Mais attends, mais... T'es drôle, mais t'es mort, mon pote. Quand t'as un rôle à responsabilité, t'es vachement énervé, quand même, hein. T'es censé être de notre côté, je veux dire, pas nous tuer, quand même. Hop. Bon, du coup, on vote contre qui, là? Ok, Ness. C'était gênant. Bon, on sait pas, c'était en vrai. Moi, j'étais à droite, sur le vaisseau de droite. Au pire, on saute le tour et on voit le tour prochain, on attend un peu. C'était le tour, là. Ouais. Bam, je saute. Ouais, sauter, Chris, ça Emma, sert à rien, là, moi, faut sauter. Ness, là, on se grattait le dos tous ensemble, là. Moi, j'étais avec Maxine. Bien aimé, hein. Ouais, c'est ça, Chris. Hein. Skipper, c'est vrai, ça sert à rien, on verra tout prochain. En fait, avec Emma, on était avec Maxine. Ouais, mais, non, mais attends. Hein, t'as duré une seconde, quoi. Qui m'a voté? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous votez pas pour moi? Bah, Emma, Emma. Ah bah, il y a le dévot de Emma. Mais pourquoi on voterait pour toi aussi? T'es con ou quoi? Emma! Pour qu'on pense que je suis imposteur. Mais t'as qu'à être plus louche que ça aussi! Je suis imposteur! On me dit, on me tire dessus alors que c'est pas moi! Je suis pas imposteur! Alors là, on vote pas pour moi! Mais t'es pas assez louche! Moi j'ai confiance en toi! Moi j'ai confiance en toi! Si tu veux, je peux te tuer. Vas-y. Bah non, maintenant je vais essayer de survivre. Super. D'accord. Oh bah dis donc, l'ambiance. C'est Emma, faut la tuer. Le mec t'es pas compris. Vous êtes quoi derrière vous deux? Je me branle. On range des petites boîtes. C'est vrai, tu peux venir? Hop là. Ouais, c'est des petites boîtes, c'est sympa. Ça va Chris, tu t'amuses bien aussi, comme moi, en noix? Ouais, ça va.
Ah oui. C'est bien d'être une noire. Hein. Bah, c'est un peu chiant, mais bon, on fait avec. Hein. Ah, je commence à connaître toutes les tasses par cœur. Hein, bon, ah bah, ouais. Tu m'étonnes. Sélectionner, qu'est-ce que... Ah, tu fais la mission des formes, là ? Ouais, j'ai pas compris. En fait, tu dois sélectionner les bonnes formes bon, et les bonnes couleurs. Mais après, tu cliques sur sélectionner pour bien confirmer. Bizarre, t'aimes pas trop, là-bas. Pourquoi ? T'as compris ? Bah, alors non, ça, c'est pas très sympa. Hein. C'est oui. T'as eu ici, là ? T'es raciste envers les verts, en fait. Bah, c'est... ce que j'ai dit. Si c'est pas un mort, je pète mon crâne, là. Piu-piu. Hop là ! J'ai avec Bourlang. Comment on se TP ? c'est pour. C'est le. Ah, non, 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 dans, non, dans ce sens là, il faut. Dans c'est dans l'autre côté. On peut pas dans ce sens là, ouais. Je die. Le giga malaise. Mais qu'est-ce que. Eh, pourquoi tu me communiques, toi ? Pardon. Bande de gros chiens. Bonjour chien. À tous, bienvenue. Qui vient avec moi ? Ibs est mort, oh non. Oh, il y a eu l'hécatombe. Ibs est mort. Emma est morte. Tant que Bourlang est pas mort, moi ça me... Attendez, bah c'est très simple. Ness, Mex, vous étiez avec moi. Ok. Il y avait qui d'autre avec nous ? Leia, non ? Ness, Leia, mais elle est partie. Okay. Il y avait... Oui, mais il y a deux morts, mec. J'étais là aussi, hein. Bah alors déjà, Bourlingueur, bizarre. Je te laisse parler, puis je parle après. Bah vas-y, je t'en prie. J'ai fini. Merci, mon bro. J'étais en train de nettoyer avec une bombe anti-graisse, là, je sais pas quoi, là. Ouais. Je finis ma quête. Et juste en dessous de moi, le petit cadavre de Ibs. Vraiment, je sais pas s'il était là depuis longtemps, mais je l'aurais vu avant. Donc on est passé derrière moi, on l'a flingué, on s'est barré. C'est sûr que c'est pas Ness et Mex, ça c'est sûr. Moi, Ness, je suis ok bah, parce que c'est sûr. Moi, j'ai compris pourquoi Ness. Moi, déjà, je suis sûr que Ness aussi, j'en suis sûr à 100%. Parce qu'au début de la partie, je suis resté pas mal avec lui et il aurait pu me tuer 1000 fois, genre. Ouais. Léa, c'est vous pareil, savez, j'étais seule avec elle, en vrai. Dans Tantville, je suis un peu la loi, quoi. La gueule de la loi, hein. Ah ouais, non, l'uniforme, ça change vraiment, par contre. Enlève ton kimono, hein, tu dis des conneries. Ah, enlève-le. Ça va, du coup. Fais gaffe, Chris. Bah, je sais pas, je réfléchis. Mais du coup, pour Lang, pourquoi tu me dis que t'étais avec lui? Genre, c'est pour t'innocenter ou pas? J'ai rien dit. Léa? J'étais tout seul, moi. Bah si, tu nous as dit, ouais, il est au-dessus de moi et il est mort et ceci et cela. Léa, mon ami. Bah, en fait, le cadavre, quand j'ai fini ma quête, il y avait un cadavre en dessous de moi. Soit je l'ai pas vu en arrivant, et c'est fort probable. Est-ce que tu es tueuse ? Ok. Je peux rester devant vraiment 10 secondes à faire ma quête. Promets-le. Je te le promets. Sur la vie de qui tu es. Dans la tête de ma mère, vas-y. Allô ? Le suspense. Oh putain. Ah, moi j'étais en suspense. Ouais, parce que Léa, tu m'as mis un moment de malaise là, du coup. Non, mais j'étais en suspense. J'ai eu un beau talent aussi, un moment de malaise maintenant. Bourlingueur, ça... statistiquement, c'est encore toi, mon gars. J'ai l'impression d'être la gênance incarnée, honnêtement. Bourlingue. Moi je suis loquette, hein. C'est bon, pas le temps de papoter, Bourlingue. De faire coin-coin, je sais pas quoi, nanani nanana. Bourlingue. Il faut tuer Léa. Salut. Il me suit en silencieux ? Il faut tuer Leia, mec. Il veut quoi, lui, ma photo ou quoi? Il faut tuer Leia. Lisette. Attends, salut. C'est mort, je redémarre le PC. Tue Leia. Tu m'entends? Oh non, c'est très long, ça. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends là? Ouais. Comment je parle? Comment je parle là-dedans? Ok, j'ai essayé de bluffer. Bonjour, les gens d'Emma. Attendez. Mex ? Ouais ? Oui ? Tu fais quoi comme tâche là ? D'accord. Coucou. Oh, Trixie, viens. Il va peut-être falloir que tu passes à l'action bientôt là. Ah. Tu m'entends ? Oui ? T'as tué ? Il faudrait peut-être que tu passes à l'action maintenant là. Coucou. Ça surveille ici on dirait. Ouais. Quoi ça ? Ok. Elle est bien cette quête. Bon les gars, je vais passer de l'autre côté moi. Donc tout ce qui se passera à présent ici, ça ne me concernera plus, d'accord ? Ok. Wouh ! Wouh ! Non, alors, non, bah, franchement,
franchement. El Génito est dans la place. Alors, laissez-moi vous parler, ouais, mesdames et messieurs. D'accord, d'accord. Vas-y, on t'écoute, vas-y, parle. Alors, eh bien, c'est très simple. Voilà, je vous explique. En flagrant délire, carrément, Trixie a tué devant moi Bourlinguer et Léa vient d'arriver et a fait « Oh !» et j'ai report. Alors, c'est pas, du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Si. C'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Allô ? Ouais, vas-y. Hein. Vas-y. Allô. On était tranquillement et c'est littéralement Chris qui lâche l'as devant moi. Il lâche l'as devant moi. Trixie. Non, commence pas à faire le mec. Commence à faire le mec détendu. Trixie. Mais Léa, t'as vu ? Trixie. Léa, t'as vu ? Trixie, en tout honneur. Il y aurait plus de kills que ça si j'étais imposteur, c'est la seule fois où je l'aurais été. J'aurais pas attendu. Mais est-ce que je peux... Excuse-moi, mais je trouve que les kills s'enchaînent quand même. Vas-y, Léa. Donc franchement, ton argument ne veut rien dire. Hein. Moi, je n'ai pas vu la personne tuer le corps qui est tombé. J'ai juste vu Chris rigoler et j'ai pas vu Trixie. Mais après, peut-être que tu dis... Fais-moi confiance, Léa. Je t'ai fait confiance. Mais Léa ! Comment ça, Léa, tu l'as pas vu ? Faut voter. Bah, j'ai vu Chris, mais je l'ai pas vu tuer. S'ils ont voté pour moi, c'est vraiment... Je vris, hein. Que je peux vous proposer... Mais vous avez pas dégagé Trixie ? Que je peux vous proposer contre elle. Éventuellement, c'est que vous vous alignez contre le mur. Tu es... Vas-y, bah vas-y, Trixie. Commence par Trixie, alors. Vas-y, je me mets là. Ok, bah vas-y, contre le mur. Bah viens, je suis là. Non, mais... Lequel mur ? Comme un mur. Y'a trop de murs. C'est là. C'est pas un mur. Ok, contre le mur, contre le mur. Vas-y. Okay. Trixie d'abord. Dépêche-toi. Mais putain. Mais il est trop con. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Putain, mais 40 ans pour tirer, le gars. Je sais, les gars, je sais pas combien de gens j'ai tué dans cette partie, mais j'en ai tué beaucoup, honnêtement. C'est pas Lucky Luke, c'est Luke Lucky. Mais c'est trop grave, frère. Comment c'est possible? Non, vraiment. Parce que Chris était pas un poster. Vraiment, vraiment, je m'excuse. Je sais pas combien de personnes j'ai tué aujourd'hui. Mais Léa, comment je t'avais grillé, toi, Léa? Putain, j'ai trop le seum. Mais Léa, pourquoi tu t'es pas mis de mon côté? Genre, on aurait pu tous. Enfin, c'est possible. J'étais détective. J'étais détective. J'avais vu que t'avais fait un kill. J'étais en mode non, casse-toi. Et moi, j'étais imitateur. Du coup, elle a cru que j'étais dans sa bande. Mais tu sais que Léa, quand il a vu qu'il m'a vu. Mais non, oui, j'étais pas sûre, je sais pas si en fait, Léa, j'ai eu peur qu'on se retourne après contre moi, mais en fait, j'aurais dû tuer, j'avoue. Bah ouais, parce qu'on aurait tué lui, en fait, on aurait gagné la game, on aurait tué tout le monde, tu vois. Chris, j'étais sûre. Non mais oui, t'as raison, au moment où tu l'as tué, ma réaction, elle est incroyable. J'ai hâte. Tu regarderas, elle est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Bah écoutez, c'était incroyable. C'était pas un poster. Allez, allez. Non, 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 je m'arrête là, je fous plus, moi. Non, non, je me lève à 5h. Non. Et non, et les gars, ça fait 5 ans que j'ai joué aussi. Jouez, jouez. Faites-en une A8. Et puis quand on fait pas une dernière DDR? Vas-y, je vous fais un bisou. Dernière DDR quoi? Des bisous. Bah, allez, dernière DDR, Bichard, allez. Non. Bichard. Vous êtes... Allez. Bichard. Ça fait 5 heures de sommeil, ça passe. Mais mettez-vous prêts. Allez. Let's go. Là, mais je suis d'accord avec Bis. Bon. Non, non, ouais. Mais c'est pas possible. Hein? Malaise. Allez, moi, je parlais même pas. Me parlez même pas. Je veux même pas vous parler. Me parlez pas. On va tous prendre le bus. J'ai envie de roter, mais ça veut pas sortir. Non, non, j'y vais pas. Ok, c'est bon. Ok. Qu'est-ce... Super l'ambiance. Il y a forcément eu un kill là. Ah non. Pas de kill. Ah, elle était là, ma tasque. Attends. Ça, ça, ça et ça. J'en ai trop marre d'être un génie.
Émotlou... Qu'est-ce que... Ah ! On me nettoie ! Non ! Pas de douche ! Ok. Oh, des bébés canetons. Tiens, tiens, tiens. Tu viens dans ma zone. Bah, t'es solo comme ça. Parce qu'on m'a abandonné pendant le trajet. Mais je crois que les gens, en fait, t'as cliqué sur les autres, en fait. Bah non, ils étaient avec moi à la base. Allez, mais non, mais connard, oh, j'avais une tâche là-bas. Non, ça marche plus dans ce sens. Ah, oh merde. Bah oui. Oh. Bah je savais pas, en fait je pensais pas que t'allais te TP avec. J'ai entendu quelqu'un paniquer. Ness a tué quelqu'un et donc il a dit que c'était un imposteur. Attends, Ness, t'attends ta mode report. Viens avec moi, Ness. Attendez. Ness, pourquoi tu as du sang sur ton t-shirt? Mais je suis en train de le dire, pourquoi j'ai du sang sur le t-shirt. Ah oui, c'est bizarre cette affaire. Exprime-toi. Il était en train de me poursuivre, il me disait de venir dans le vaisseau, chose qu'il fait jamais, parce que sinon j'aurais fait. Et, j'y ai dit, si je me sens en danger, je me défends, et je l'ai tué, et il était imposteur. Ça pue cette histoire. Tirez sur Nessim. Tirez sur Nessim. Moi ça me paraît bizarre. Bah attends, regarde, attends, je tue Chris, si je meurs, c'est que tu... Mais non, mais pas moi. Bah alors, tu me crois pas? Bah c'est pas ça, c'est juste que tu veux... Lâche-moi! Ah ouais? Attends, Chris, t'es un imposteur? Mais non, je suis pas un imposteur, espèce de débile! T'es pas un imposteur, Chris? Mais non, je suis pas un imposteur, j'ai juste envie de faire la dernière repartie! Attention au vaisseau, hein! Et on peut mourir comme ça, là? Venez tous là, là! Non, vous pouvez pas, vous attention, pouvez attention! Pas, vous attendez-moi! Alors, tu lui tires dessus? Sur qui tu vas tirer? Ah. Non mais... Oh non. Non mais bon, vas-y. C'est vrai que bon, ça va être contre moi ça, c'est sûr. Oh, t'avais oublié. Okay. Alors, écoutez-moi attentivement. C'est pas toi, c'est pas toi. Écoutez-moi attentivement. Dis-moi. Pour moi, Léa, je suis restée pas mal avec elle. Elle est innocente, d'accord? Chris est innocent. Mec est innocent. Ibs est innocent. Mais tous se portent donc sur Ness, qui avait du sang sur son t-shirt, je trouve ça quand même... spécial, mais... à part s'il a mangé un sandwich au ketchup. Et il était à côté d'un corps, donc déjà je trouve ça hyper bizarre. Mais il a dit, okay. Il a dit qu'il l'avait tué, il l'a dit explicitement. Ouais. Bah, moi je pense pas que c'est Ness. Oh si c'est Ness, je pense vraiment que c'est Ness. C'est bon alors, tranquille. Mais Trixie, moi je pense pas. Je sais, j'ai compris que t'étais détective, mais regarde sur ma poitrine, tu verras, je me suis défendu face à un agresseur. J'ai respecté la loi. Ah donc t'as marqué un point, si on t'écoute, t'as bien fait alors. Donc t'aurais du coup, niqué un imposteur. Ce en fait. Non, c'est que, inspecteur Nessim. Peut-être. Pour lui dire. Non, je crois Nessim. J'aime bien aussi. C'est pas bon. Mais c'est forcément un d'entre vous parce que c'est pas. Ça peut pas être Bourlingue vu que le cadavre était là depuis mais longtemps. Oui. C'est moi qui oui, c'est mais pas c'est juste que Nessim est. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Nessim a tué un imposteur. Exactement. Et maintenant, du coup, l'imposteur sait que faut pas qu'il se prenne mort ou alors il va me tuer. Pareil. Mais j'ai eu deux votes là. Attends. Allez. Deux imposteurs probablement. Attends. Bah non. T'es bien joué, inspecteur Ness. Ok. Merci. Bichard et Bourlingueur du coup dans le viseur. Hibou. Coucou. Est-ce que t'es méchant? Alors. Ça, c'est on part en voyage? Non, oh, Léa! Léa oh, oh, ouais ah, plus tard! Salut! Tout le monde a un point différent, vous stackez pas. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va chercher Léa. J'ai pas envie d'aller là-bas, il y a trop de monde. Je fais confiance à Léa. Hello, Léa! Hello, Chris! Je te fais confiance, du coup, on va faire nos tâches ensemble. Moi, sur... Ah, bah, on s'entend plus. Alors. Ah non. Oh putain. C'est un casse-tête chinois. Oh bah bien joué. T'es allé plus vite que moi. Trop chiant cette quête. Hein. Ok, moi je vais à la clinique. Si jamais vous avez des tâches là-bas, c'est parti.
te fais confiance, donc je sais que tu me tueras pas. Et tu peux me faire confiance. La clinique, c'est là. Et oui. Bah, j'ai pas de quête ici. Ah, bah moi j'en ai une. Hop là. Ensuite, j'en ai une autre là. Oh putain. T'es vraiment innocent, Chris. Je suis vraiment innocent. Hey, tu me le promets. Les gars, j'ai une info. Ouais. C'est Bichard. Ouais. Bah, ah bon? Ah, bah, salut Bichard. Salut. Bon, il y a des quêtes, faudra faire gaffe, mais c'est vraiment les mêmes qu'Among Us par contre. Hein. Ils se sont pas fait chier. Oui, les câbles là. Bon, ah, j'ai pas eu les câbles encore. Bichard, tu serais pas méchant quand même. Moi? Bichard, si t'es méchant, tu m'excènes. Non, je suis 100% safe. Qui c'est qui est méchant? Il a pas fait, hein, il a pas fait. Hein. Ouais, pas sûr. Putain, ils ont reniqué les coms. Je crois que j'ai une tâche là dans le coin. Attends, elle est où ma tâche? Elle est là. Étape Camoulox. Monter les basses. Désambuler les ailes et hop. Ok. Parfait. Bon, on remet les coms ou... C'est comment là? J'ai une tâche qui est là. Attends, c'est des cams. Oh, il y a les cams. Oh, c'est vraiment la map Among Us ici pour le coup. Ils sont pas au courant qu'il y a les cams, ils vont pas faire gaffe. Oh, je croyais que t'étais mort. Dis. Regarde, il y a les cams, mec. Ah, mais il y a des cams! Sur cette map, il y a des cams! C'est ce que je viens de voir, du coup. Je sais pas si on les entend parce qu'il n'y avait pas les coms donc. Ah! Il y a Bichard qui a pris la navette. Ah, mais Bichard, ils vont forcément tuer sous les cams à un moment vu qu'ils sont pas au courant qu'il y a des cams! Ouais. Ou alors tu vas me tuer parce que t'es un imposteur? Mais non, je t'aurais jamais tué, mon petit. Tout à l'heure. Mais comment tu sais? Attends, parce qu'ils vont entendre. Ouais, cassez-vous. Attends, Bourlingueur il bouge pas là, donc s'il y a un sabotage, c'est que c'est Bourlingueur. Oh, mais il y a des cams, c'est incroyable! Ah ouais, sur celle-là, il y a. Ok, Bichard est revenu. Il va tuer Bourlingue, 100%. J'y vais. Bourlingue est tout seul. Bichard, vas-y! Mais c'est les deux là, c'est sûr. Ici, elle est quoi? Au secours! Vite! Comment on fait? Comment? Vite! C'est pas? Vite! Vite! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a mort! Ah! Oh! Attends, Ibs, viens! Ah, shit! J'arrive, qu'est-ce qu'il y a? Ibou, s'il vous plaît. Oui, j'arrive! Merci beaucoup, Mena, pour tes 3 mois de sub! Bah, c'est bon, c'est Bichard! Merci! C'est Bichard, 100%. Mais non! Mais si, Ibou bougez! Mais c'est moi qui les report! Oui, mais justement, parce qu'on disait. Attends pour que le croque-mort il regarde le rôle. Bourlingue est mort, mec. Ah, ah bah oui, c'est lui. Moi ah, j'ai peur. Du mort. Ah, j'ai pas vu. Oui, il est mort, il est mort dans un stack. Non, moi je pense que Bichard, t'es intelligent, tu savais qu'on allait vérifier et donc du coup t'as bip avant que ça arrive. Je vous explique. Ah oui, c'est ça. Je vous explique un truc. Il y a des cams sur cette map. Il y a des cams sur cette map. Ah ouais. Et j'étais au cam. Ah oui, Bourlingue, on l'avait vu qu'il était j'étais au map et au cam et Bichard. T'as un comportement bizarre. Je soupçonnais Bourlingueur, mais au final, il est mort. Donc, c'est vrai que toi, t'as des mouvements bizarres. Bah, j'ai rien vu, quoi. T'as fait tes quêtes? Ouais. Tu bouges beaucoup, quoi. Tu fais pas beaucoup de quêtes. Parce qu'à un moment, t'as pris la navette, t'es allé de l'autre côté et t'es revenu instantanément. Peut-être parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait personne et que du coup, tu pouvais tuer personne tranquillement. Bon, j'ai envie de vous dire, vu que j'ai l'impression que mon destin est scellé, sachez que quand je serai mort et que vous devrez voter Hibou, c'est lui qui l'a tué. Mais oui, mais non, c'est lui qui l'a tué.
Si, si, c'est lui. Mais non, mais j'avais le panneau devant moi quand j'aurais pu. Je pense pas que ce soit Hibou, moi. Mais j'ai même pas vu tomber. Je pense que c'est ta technique en mode c'est mon. Je vais sacrifier un crewmate parce que bah dans tous les cas, je suis mort, quoi. Chris, Hibou a bougé. Et alors ? J'ai trop bien joué. Oh, oh non. Quel enfoiré, non. Oh le bâtard. Oui. Oh très fort, très fort, c'est beau. Les Sims, je te hais, les Sims. Mais oui, mais je voulais dire, j'allais oh Chris, le call de merde. Ta gueule. Mais Hibou, t'es pas calme. Non, j'ai dit son call, mais t'es pas si bon que ça. Mais c'est dur. Waouh! Oh, mais là, tu sais que c'est suspect parce oh, c'était que. Oh, c'était beau! Oh, le bâtard! Avec toi dans un coin. Oh non, je suis trop frustré. J'allais même pas te tuer en plus! Hibou, d'accord, c'est toi qui l'as tué, je t'ai vu! Ne parle pas, je te vois! Oui, c'est moi! Bah oui, bien sûr! Bien sûr. J'allais te tuer, mais l'autre il a buzzé, je suis dégoûté! Ah oui, je sais, c'est pour ça! Ah, c'est pour ça que je retardais un peu, j'étais en mode oui, où ça? J'ai où? C'est quoi? J'ai report exprès pour pas que tu le tues! Parce que je savais qu'il allait se passer un truc! Ah, je suis choqué! Je savais que là il fallait que je reporte parce que j'étais le plus suspect! Bon bah écoutez, ah, bravo à tous, joué. C'était trop bien. Bien joué. Merci pour la soirée, c'était trop bien. On pourra refaire le jeu, trop bien. Oui, promis. Ça change d'un Among Us, c'est cool en vrai. Gros bisous. Ouais, ça change, c'est cool. Gros bisous. Merci à tous. Des bisous. Des bisous. Tchuss. Ciao. Big up à vous l'équipe. Big up. Ciao. Big up, big up. Ciao, ciao. Allez, toi, plus jamais on t'invite. Plus jamais je t'invite, mon gars. Je vais inviter que dans le lien. Ciao, ciao. Non. Si.